Comment allez-vous, mes amis? Hop. Donc, une petite musique. Bishop. C'est pas la radio. On a modifié la radio. Bishop. 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 Il est où mon télécateur? La radio, c'est bon? Nickel. Il est pas là, on va le mettre en fourrière du coup. Je pose le quad. Vas-y. T'as plus de place là. Vas-y, monte. J'ai pas de balle. T'inquiète. John, est-ce que tu pourrais déposer les pétards que je vais mettre au stockage dans l'autre stockage? En les renommant? Non, laissez comme ça. Laissez comme ça, il va les mettre de l'autre côté. Moi, j'ai vu juste au green et j'arrive. Putain, j'ai le mort, frère. Il y a mon cousin qui va ouvrir son commerce, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, il me semble. Ouais, bah, qui? Vas-y, vous êtes tous les gars. En face du quartier. Vas-y, moi je suis au green et j'arrive. Ouais, ça. Regardez. Il n'est pas là, Terence, le boss. Il est où, Terence? J'ai le mort. T'as pas des chargeurs? Non. Ah oui. Ah non, bah non, il est pas là. Je suis là, mon ref. Ah, il est là. Ah, il est dans la voiture. Ah, ouais, bah tiens. Tranquille. Ça va, toi? Ah, il est en dessous de la. Tranquille, non. Il y a un mec qui m'a appelé. Gros daron, dis à tes gars d'arrêter, tu dis. Yo boys, bien, merci. Ça va toi? Tranquillement en base de tranquille. Pas de neuf, Dany. Bah, j'ai un peu le seum, frère. On a ils font quoi, pas réussi à choper les canadiens. C'est les vagos qui les ont chopés. Ah ouais? Ah, ouais. Ah, c'est pour ça, il m'a dit, il me fait un Beretta et trop pétard. Tu peux me faire une complète? Vas-y. Non, ouais, mais le truc, c'est que. Là, attends, les vagos sont sur les côtes des Canadiens, what the fuck? Non, même pas, mais c'est juste qu'il a fait un petit event là où il donnait tout ce qu'il avait. Kiki, ah, les vagos? Non, les Canadiens. Pourquoi ils sont finis là? Bah, ils ont donné. Ouais, ils sont finis, ils reportent au Canada, ils ont donné 800 déjà 000. Bah oui, on les a éteints avec Baki. Ah, ok, j'ai capté. On les a atteints à coup de. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Coup de matraque total. Putain. Et le respondance de vie, c'était un slap, genre. Non, ça a duré une semaine. Venez. Même pas en vrai, hein. Bon, on les a prévenus en plus, hein. Oh là là. Bah, forcément, là. Qui? Mais à ce qui paraît, ils vont revenir en temps d'ordre. Ils sont morts? Ouais. Ouais, skip, hein. Là, du coup, ils sont dead, là, du coup. Ouais, vous avez moins de meutage au quartier, les frères, ou. Bah, vas-y, on va te déposer, hein. Vas-y. Mais t'as bien, ils sont plus là. Tu t'es fait convoquer par Shintaka ou pas, le vieux? Ouais. Il t'a parlé? Ouais. Ok. Heureusement que j'ai les yeux derrière le dos. Heureusement t'as des rétroviseurs surtout. Ouais, c'est ça. Hein. Putain, hey, tu m'as pris une nouvelle, hein, Dany, c'est ça? Tu m'as dit quoi? Tu m'as pris une nouvelle, là. Je pensais ouais. que... Putain, ils étaient vraiment... bordel. Tu vois, c'est pour ça que je te disais... Un stage. Bien fait par leur gueule. Ah, ça me fait plaisir, carrément. Ça nous fait tous plaisir, les frères. Ah oui. C'est trop les grosses... Je sais pas pourquoi il a mis les gangs et regarde dans le truc. C'est pas comme s'ils étaient bien placés, c'est ça, le truc. Après, les vagos, ils viennent d'arriver.
Ah, ils ont donné tous leurs trucs aux Vagos. Bah ouais, ils avaient pas grand chose, mais du coup là ils sont bien. Mais ils avaient 700 000 en blanche et 34 en salle. Après des armes. Ils ont pas beaucoup d'amis hein, non plus. Donc. Et là ils ont récupéré 800 000 déjà avec les Canadiens. C'est bien de baiser. 800 000, 15 pétoirs, 5 Beretta, je crois. Bref, ils sont. C'est ça. Vas-y, vas-y Lobby, on s'attrape à 22h. Vas-y, y'a pas de problème. Baki, au niveau de la cotise, moi ce que je t'aurais conseillé de commencer, c'est déjà on finit les problèmes qu'il y a à régler. Puis après, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait. On commence avec une cotise en mode un go fast par jour, t'as vu. Vas-y. Je commence comme ça. De toute façon, les gars, après... je me dis, là, on va prendre Bats. Et il va down. Bats down, c'est-à-dire. Il va mourir. Enfin, après, moi, je suis un coup de pression, mais je crois qu'il va le tuer. Parce que quand il s'est fait par les Canadiens, il a donné un faux nom. Il a dit que c'était les Ghosts. Mais il est là ce soir même. Oui. Du coup, les Ghosts ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé des messages comme quoi, bah voilà quoi. Un des gars il avait fait ça. Hein. Ah bah, et pourtant, je l'ai rappelé. On pourrait passer dans le truc de munitions là. Y'en a dans le stockage un petit peu. Okay. Je crois qu'il y a deux boîtes en tout. Ah, mais deux boîtes. Ça va, t'as un peu. Je crois que c'est moi qui les ai mises en plus. Eh, faudrait qu'on mette un stockage de trucs. Mais non, le plus beau. Yo! La méduse. Ouais, attends. Ah mais du coup est-ce que je lui ramène son pet? Ah ouais vas-y vas-y. Oh ça me fait chier de faire des retours genre. Quelqu'un a des balles? Ah viens Bishop. Dans le stockage là, à l'entrée y a des balles. T'as des munitions ou pas? Bah qui je te ramène ton truc. Il va te le ramener, on a juste à bouger les pets. C'est quoi la radio? Tu peux regarder sur l'intra, vu que moi j'ai la dash. Vas-y. Les gars, on va faire une transac là, préparez-vous. Transac de quoi? C'est pas de question, monte dans ta caisse et suis-moi. Oh là là, ça va le chipler. J'ai besoin de munitions en fait. John, il en a gros. Ouais, Medusa, bien. Y'a zéro munitions. Hein. C'est dans le local. Ouais. C'est dans le local, regardez. Quelqu'un a dû les finir alors. Oui, non, oui, bah, tu me parles de quel local, Bishop? Ouais, viens. Mais Bishop. Ouais. On va te chercher des mines. Tiens, Medusa. Vas-y. Mais tu veux pas qu'on fasse un petit stock, genre? Ouais, je sais. Non, on fera après le truc. Vas-y, frérot. Bon, dis-moi, du coup, on fait comment? Mais là, j'ai dit qu'on allait faire une transac qui vont me suivre et on va se dans ce cas-là à un endroit. Ok. On va le péter là-bas. Tu veux que je te donne un endroit ou quoi? Voilà, là, je suis pas fou, il y a 6 boîtes de mines dans ce stockage. Bah, c'est pas grave, on va faire. Un endroit beau ou un endroit. Un endroit où. Beau. Il fait peur? Beau? Ok, vas-y. C'est ça. Bah, j'ai un endroit. Tiens, c'est mais c'est au nord hein, par contre. C'est là-bas. Précisément. Vas-y. T'as une très belle vue et. S'il tombe, il tombera dans. Non. C'est vrai que ça me. Le pauvre. Ah, y'a plus peur. Ouais, les boys. Yo. Ah, c'est la rue, non? Ce sera la dernière fois qu'il a dit que les boys. Okay. Hein.
prends le lot, vas-y, le lot intéressant où les mecs sont 10, bah là non, on va pas le péter. Du coup, Baki, okay, on pète la vente aux enchères ou juste on y va? Non, ça dépend. On peut prendre des voitures, on peut s'habiller d'une certaine manière hein, pour les péter. Hein. On n'est pas obligé que ça qu'il y ait des conséquences. Hein. Ouais, quand vous voulez. Si on regarde, si on va... En fait, ça dépend si c'est des... Je vais voir qui achète quoi, surtout. Oh, bah, c'est comme avant, quoi, ce que je venais d'expliquer. Moi, je t'aurais dit, on s'habille tout en noir, tu vois. Après, le truc, c'est que moi, ils vont savoir que... Oui, même, t'es obligé de dire qui... Enfin, il y a qui comme groupe. Bah, tu peux aller à la vente et nous, on les récupère. Ouais, non, mais c'est ce qu'on faisait. En gros, je t'explique. Avant Baki, un autre gars ou que Baki, il allait à la vente, il guettait, il nous envoyait par message, tu sais, tel groupe à ça, tel groupe à ça, tel groupe à ça. Et par exemple, s'il y a un groupe, il a un truc intéressant. Ah oui, mais pareil, est-ce qu'il donne les lots directement ou pas? Normalement, oui. Okay, il m'a dit, il les pète, oui. Ok, et en gros, ouais, mais les pètes, c'est complexe. Non, si y en a, il en a 5 sur lui, on prend la moitié du coup 2. Ouais, et en gros, Si tu vois il y a un truc qu'on voit que c'est pétable, ben on les attend à la sortie. Ah mais du coup on change de tenue ou pas? Salut les gars, vous allez bien? Non, je pense pas. Au pire, Ace, date à vie. Quoi? Ouais, manqué tous. Ouais, vraiment, j'étais de la guerre. Ça dit rien et toi mon petit bébé? Oh triple. Ouais, j'ai double, allez monter la transaction, il est dans l'or les gars. Vas-y. Attends, transaction quoi? C'est quoi qu'on prend comme voiture? Je prends la sultan. On peut pas prendre. Bah ouais, prends la sultan. Vas-y, je range la mienne. On fait quoi là, Baki? Non, on va faire une petite transaction. Vas-y, ça marche. Je vais vraiment acheter. Je vais la ranger, descend. On va reprendre des véhicules quoi. Vous voulez pas prendre le Reblat? Non, le Reblat il est. Attends, je vais monter avec. Je vais monter avec Bishop. Parce que comme ça. Après, Bishop, de toute façon, tu viens avec nous, Bishop? Décale, je recule. Ah, mais attends, là, il y a déjà 3 voitures? Non, mais t'inquiète, il va ranger la scène. Mais ça a rien de prendre 3 si, on en prend que 2. Non, on va être 2 Samy, je pense. On est 8. Oh le mignon. Ouais, le big. C'est bon, le big ice. Bishop, tu voulais pas me parler dans la caisse? Moi ça fait 3, 4 quoi. Par rapport à ton cousin là. Belle pip. Ah oui, hier avec Medusa là. Oh mais du coup tu vas m'expliquer si c'est bah, quand tu sais green les gars, vas-y. C'était avec toi non Medusa hier? Tu t'es chopé. Mais t'avais rien de coup sur toi? Non, je l'ai pas rangé avant, je suis pas. Bon c'était juste pour que tu montes. Ouais je suis choté. Ouais quoi? Attends, c'est le grizzly, il a du mal à suivre. Ouais c'est vrai. Tu vas faire quoi du coup? Bah là on monte dans le nord. Mais on a pas de transac. Captain Obvious. Bon, je vous annonce les frères. Bon, je vous annonce les frères, il y aura peut-être une entreprise de poulet là qui va arriver. Du coup, s'il y a des mecs qui veulent être recrutés, je vais. Tu veux faire une entreprise? Bah, si c'est bien. Nord ou sud? Nord ou sud? C'est une entreprise dans le sud là, j'attends juste les validations. Mais c'est quoi? C'est quoi? Bah genre c'est du poulet. C'est des runs? Incroyable. C'est des runs? Je suis un peu foncé, t'as capté? Là même, on mange avec les doigts. Voilà, t'as capté. Obligé. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est des runs? Moi je sais pas, hein. En gros je vais voir comment ça fonctionne, mais à Skip c'est compliqué de baiser. Et je dis ça mais... Bah t'es solo, c'est chaud hein. Et t'as combien? Non mais pas solo. Bah là j'ai... J'ai déjà des garages, j'ai déjà deux... Attendez les gars, je me serai pas à côté, je vais faire un petit truc. Ça prend 10 secondes. Mais ouais, pour moi les runs c'est le truc le plus dur. Hein. Oui mais c'est prenez le bien, faut que je sois dans mon c'est le truc où tu gagnes le plus par contre je crois. C'est bien. Les runs, bah après ça... Ouais. Non mais en tant que patron. Ah. Genre je sais que le OKLM, ouais, la semaine dernière, on fait 2 millions de chiffres d'affaires. C'est en place. Moi j'aurais rien, hein. Moi ça sera la caille. Non mais je vais pas changer. OKLM. Mais ouais, si y'a des mecs qui veulent bosser, bah... Le musique qui marche pas, c'est chiant. Un truc qui t'emmène aux toilettes, flap flap. T'as capté ou pas? Un truc où tu pleures dessus?
Est-ce que tu vas faire comme OKLM, mais on devra tuer les poulets tout ça de ça ou... Je sais pas frère, j'en sais rien du tout. J'ai posté le truc. Là au départ en fait je leur avais dit en mode ouais l'entreprise elle va... C'est une entreprise qui fera que du poulet, patiti patata etc. Et genre pour tuer le poulet ils m'ont dit qu'ils étaient pas très chauds. Du coup je leur ai demandé bah qu'est-ce que je peux faire et là j'attends la réponse. Il s'appelle quoi? Enfin, ça fait c'est combien tu l'as ouvert? C'est un KFC. Attendez, je t'invite au pire. Tu vois. C'est un KFC, Bishop? Oh, mais non, c'est pas un KFC parce que je vends pas de poulet. Mais... Oui, donc t'en fais, oui, donc ce sera un système de run. Mais sinon, après, tu sais qu'il y a là les entreprises avant, non? Parce que là, t'as une petite entreprise de run. Ah ouais? Et tu peux la transformer en truc de poulet, hein? Ouais, mais le truc, c'est que j'ai déjà des locaux, des trucs comme ça. Ah ouais. On va utiliser au même endroit? Ouais, t'as capté où il habite CG ou pas? Non. Où il est CG, non? Non. Dans un code. Et puis c'est où déjà? C'est à côté là, c'est. C'est quoi la fumée qui est à droite? Non, je crois que je vois pas. Je crois que c'est le. Quoi, c'est ça? C'est un loadout là, Baki? À gauche? La fumée? Ah oui, attends. Coulis. Les gars, il y a un loadout là. Vas-y. J'ai la classe méta là. Je joue MP5. C'est quoi? C'est un loadout. C'est une box. Unboxing. Y'a rien. Unboxing. Y'a rien. Ah, les gars, attendez, je fais une TR en tour. Je la sécure. C'est Warzone. Donovan, 18 ans, apprenti paysagiste chez Daniel. La box, la musique. Ah, il est dans sa tête, il a pris le volant. Chez Daniel Moquet, je me forme sur le terrain tous les aspects du métier. Descends-le. Un contrat d'apprentissage en paysage. Poussez-le, essayez de le pousser. Retrouve nos offres sur rejoindre-daniel-moquet.fr. J'apprends beaucoup au niveau technique sur le plan. Regarde, tu peux le pousser. C'est plus Bishop, c'est Biflop. Pas de problème. C'est ma radio. Démarre, je te démarre. Ah, c'est toi la musique? Non, c'est la radio. Oh putain. Tu sais, j'ai failli prendre un 2-2 hier. Hein. Ah bon? Ouais, c'est passé quoi, frérot? J'ai pas capté. Comment j'allais la musique? J'ai pas su quoi. En fait, tu vois, il voulait me confronter là tout le long, tu vois. Là, tu disais non, genre, je voulais la raison et tout. Et le mec, il a dit, ouais, tu refuses d'être contrôlé, enfin, voilà quoi. Je vais pas t'expliquer, mais voilà. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, nanani, nanana, enfin, voilà. J'ai failli prendre, mais c'est bon. Après, ils m'ont laissé. Ouais, je leur ai dit que j'avais rien, et ils m'ont fouillé et tout, et j'avais rien. Ouais. Tu sais que je faisais semblant d'avoir un truc en plus. Moi je suis une batte moi. Je faisais grave semblant. Je crois que je t'ai donné un papier. Ils vont cramer hein, que c'est pas une transaction. T'inquiète. Sinon c'est con. Bon, on dit bien qu'il y a aucun rapport avec moi. Hein. Oh là là, mais John, là je... Ah mais parce que il m'a pris quelqu'un un truc à boire. Ouais. Oui, je te donne après. S'il vous plaît, vous pouvez mettre dans le coffre. Ah vas-y. Okay. Tu peux en mettre deux. Mais il voulait que je... Non mais je mets évacué. Mais je crois que là c'est habité. Je sais pas. Oui, c'est habité là-bas, c'est habité. Non, je vois rien du tout. Oh, t'en prends qu'un. Ouais, non, c'est normal parce que c'est dès qu'on se rapproche, tu vois. C'est une dinguerie. Oui, en plus, il y a une voiture. On se met de ce côté. Oui, je sais pas. Voilà. Jupiter. On peut boire comme ça ou pas? Oui, oui. Ah bon? Ouais, je peux pas le prendre. C'est le truc de LTD. Dinguerie. Ouais, j'en ai plus. Hein. Oh, dinguerie. Hey, mais j'ai rien pris là. Ça m'a scam. Ah, mais déjà, t'en as pris deux? Ouais. Ah, bah donne-t'en à Bishop. Ah, bah je l'ai mangé. Mais t'as un fils de pute, frère. Vas-y, je t'en donne un autre. Mais bon, du coup, moi j'ai. Et ton cousin, c'est la même. Ok, vous allez repartir de là où il a tout pris. Ok, peut-être. Ok, peut-être. Mais si toi, ton daron, je l'encule. Fasse-le. Juste ça.
Tu l'encules peut-être au défi Gigatacos, mais tu l'encules pas. Parce que j'aime pas mon RP, c'est de la merde. Je l'encule dans les. Je l'encule. Mais même toi, tu peux t'avaler de t'asseoir. À deux, je le fume. Oh là là, je fais tellement rage. Même ton oncle, pédrache, balayette, il tombe. Tu dis, vous l'appelez comment votre oncle? Tonton, ah tonton. Eh, vraiment la dit, vraiment récité. À chaque fois, vous croisez quelqu'un. L'Oji, la sortie. Vous croisez quelqu'un de dehors, vous dites tonton, wesh. Attends, déjà, Baki, wesh, on sait pour ce. Baki, mon Oji. What? Et demain? Dépose ton arme dans le code de la caisse, s'il te plaît. Eh! Chef. Allez, hop, je te rappelle plus tard. Vas-y, avance. Boy. Bon, bah, un hommage pour lui sur la batte. Ah, il se passe quoi, les frères là? Avance, avance. Ouais. Il se passe quoi là? Wesh, tu vas dire quoi? Tu vois. Melvin? Ah, c'est en avril, hein. Il a fait une dinguerie là. Mais c'est bon, mais... là on est bien là. Non, sens. Ah. Là on est bien. Avance. Encore, t'inquiète. Ah. La place là. Ah, c'est bon, là on est bien. Vas-y, mets-toi au fond. Ah. Y'a quoi les frères? Wesh. Il ne marche pas, je suis au courant de rien, les gars. Parlez tous fort, s'il vous plaît. Ou approchez-vous. J'ai juré, je sais pas ce qui se passe, là, ma mère. Non, je rigolais, les frères, là. Récemment, Bats, t'as fait une connerie que j'avais répétée à plusieurs reprises. Wesh, j'ai fait quoi? Quand tu t'es fait peur, t'as donné un faux blaze de quel groupe tu faisais partie, est-ce que j'ai pas? C'est lui carrément qui m'avait donné un faux blaze. Du coup, j'ai affirmé son faux blaze qu'il avait dit. Oh, pas du. De quoi? Non. Quoi? Wesh. RIP, frérot. Wesh. Melvin a sauté, hein, Dolo. Ok. Ça va, il s'est pris 4 balles dans la tête. Ice les a rejoints. Bon bah laisse le grizzly là. Faut venir. Mais ils ont sauté. Descends. Ils ont sauté. Va à droite. Ou à gauche comme tu veux. C'est un cul-de-sac à droite. Non, je crois. Pas. Pour moi elle est vraiment. J'ai la radio. Ils ont sauté de haut, hein. Ouais, je te jure. Ils vont avoir mal aux jambes là, hein, je crois. Ouais, je crois qu'ils vont mourir aussi, hein. Qu'est-ce que tu veux? Là. Trace. Bah, les frères, cassez-vous, y'a la police en fait. Mais là, je crois qu'ils se sont brisés les jambes, hein. Oh non, mais y'a une voiture. Ouais, bah y'a le grizzly. Mais tout le temps, le grizzly est nul, donc on l'utilise. Il a mis son arme ou pas? Non, oui, je l'ai. Tu peux t'arrêter après ou pas? Non. Que j'ai la radio. Ah, c'est bon. C'est bon? Moi j'ai plus, ouais. Oui. Mais genre là, il est dead ou. Oui. Oui, il est dead. Là, il est même red dead. Mets de l'essence, ça va. Ok, nice. Il n'y a pas d'essence ici, non? Non. Derrière, O'Neill. Derrière. Ah, quoique, attends. Ouais, attends, hein. Normalement, c'est bon. Après, va tout droit, de toute façon, il y aura une station. Non. Ouais, à droite. Ils
sont les autres? Ils ont sauté. Ouais, mais. Après, je vais devoir. Non, mais gagner aussi avec ce que tu veux. Non, pas forcément. Quelqu'un a le numéro de Ice? Oui, je peux l'appeler si tu veux. Ouais, ouais, ça m'arrive, je sais pas. Mais je lui dis quoi? Bah, tu sais quoi. Au pire, envoie le numéro. Je vais l'appeler. Ah, bon, attends. Bah, qui c'est moi? Il y a plus d'essence à mettre là. 32 secondes. Pas 32 secondes. C'est juste si elle grise les bleus, vas-y, on est Buffalo bleu. Ice, tu... il se passe quoi là? Par contre, s'ils nous contrôlent, ils ont le droit de nous fouiller. Vous êtes resté? Pourquoi? On sort d'une jungle de tiers. Et genre en mode, vu qu'ils sont en véhicule bleu et tout. Ils ont dit, ils arrivent au quartier là. Vas-y, conduis. Quelques conditions. Pas où? Au quartier. Ouais, au quartier. Vas-y. Je te mets le point. C'est BMF. S'il y a un petit resto sur le chemin, non, y'a rien. Appelle comment déjà? Mais comment ils rentrent comment eux? Je sais pas, ils ont dit qu'ils rentrent au quartier. C'est une falaise là, et le grizzly était là-haut. En gros, j'aurais demandé qu'est-ce qui s'est passé, derrière ce qui s'est passé, mais ils m'ont dit ils ont eu une dingue. Ils ont eu une dingue, nice. Est-ce qu'ils rentrent à la nage? Je sais pas, hein. Attends, je vais voir. Je pense que le grizzly il est mort. Ouais. Dis-moi, tu rentres avec. Vous rentrez avec le grizzly? Et les cops, etc., c'était bon ou pas? Les cops. Parce qu'on a vu une voiture qui est venue. Oh. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas fiché, genre. Ouais, mais on a pas le droit en fait. J'ai ça. Ouais. Vas-y, frère. T'es grave déçu. Il m'a dit quartier, il explique tout. Je pense qu'ils ont sauté pour récupérer là. J'étais pas prêt de la rapidité du truc. Ouais, moi aussi, je pense pas que ça allait être aussi sec. What the way, t'es menotté. Hein. Bon. Bon. J'étais trop rapide ou c'est... Un peu. Un peu rapide quand même, hein. Je vais pas te mentir. Parce que là, c'est un peu rapide. Mais je sais bon. Que toi, t'as besoin que le pansement soit arraché c'était, direct. C'était clair et concis, quoi. Ouais. Et je pense toi, que en fait... le tir, il a surpris tout le monde, direct comme, ouais. Comme ça, là. Ouais. Surtout que toi, t'aimes bien parler. Mais j'ai capté. J'ai capté. Ouais, bon. Est-ce que c'est pas plus mal? En tout cas là, dans tous les cas, la fin est la même. Ah ben sans doute. Vous avez pas trop mal aux jambes? Ça va des frères? Ah ouais tiens. Ça tes jambes? C'est compliqué. C'est dur. Du coup, Ice, c'est passé quoi?
Attends, je suis dans ma tête, 2 secondes. T'as quoi d'ouvert? Ouais, du coup, en mode, vu que ça... En mode, t'as vu... Quand Bat il est tombé, nous on a sauté pour aller récup. Avec Melvin. Et comment... En mode, t'as vu... Je sais pas comment t'expliquer, en mode... Melvin il le porte et tout, remonte. Et là d'un coup, en mode... Je sais pas comment te dire. Ouais, gros, vous avez eu des dingueries là-bas, ça. Ouais, voilà. Mais... Genre, il y a eu quelqu'un de... Voilà. Et voilà qui nous... Après... Qui nous a dit... confirmé que Bat était dead. Genre... Ah, en mode... Ok, vous aviez pas capté qu'il était mort, en fait. Non. Ah bah... 4 balles à la tête. Ok, ok, ok. Mal au cœur. RIP, hein. T'as Melvin? Melvin, c'est un truc à dire, vas-y, hein. C'est le moment. T'es sourd ou c'est comment, Melvin? Il mange juste. Je pense que c'est le choc aussi. Ouais, Baki. Ouais. Ouais, je t'écoute. Ouais, ce que tu viens de dire dans la radio, t'es sûr c'est vrai au moins? Oui. C'est qui t'a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Non, attends, t'as pas compris. Ce que t'as dit dans la radio D, est-ce que t'es sûr que c'est, il s'est vraiment passé ça en fait? Oui. Oui, il dit que c'est qui t'a dit? À ton avis? Je sais pas moi. Le Canadien. Ah donc ouais, bon, après. Après après si t'écoutes le Canadien et pas le Chamberlain. Non, les ghosts eux-mêmes nous l'ont dit. Les ghosts sud. Bah c'est le faux nom que Bats avait donné. Lors de sa PO. Bon. Ben. Il y en a, il veut dire des. T'as un truc à me dire, Melvin? Non. Ok. Et tu vas où là? Je sais pas, je vais monter là en haut. Je vais prendre l'air. Vas-y. Ouais, on va le laisser tranquille un peu. Du coup, pour ce soir, c'est toujours prévu le truc ou pas? Ah ouais. T'as qu'à l'heure? Moi j'ai la pause du... De l'enchère, je crois que c'est dans le nord, il me semble. Moi, c'est la pause, il devait l'envoyer à 21h30. Ouais bah, moi spécialement, il l'envoie. Et sinon, c'est à 21h45, 22h que ça commence. Donc on fait quoi? Mais là en vrai, vu qu'on est 6, c'est ça? Je sais pas si Melvin il va venir. Je sais pas s'il aura la tête. Ouais, on est 6 avec Melvin. On va dire 5. Ouais. Y'a qui voudrait péter les gars? Après, attends. Moi. Ok, je vais juste appeler. On va être aidé ou on fait ça solo? Non, tout seul, non, y'a plus d'alliance. Y'a plus. Personne, on est de plus personne et plus personne nous aide. C'est fini les bails? Oui, non, oui, terminé. Attends, des bandits, nous, besoin d'aide. Okay. C'est la rue, les gars. Ok, John. Là. Et Benny, il revient quand même? Ben, je crois que. Demain. Ouais, demain, je pense. Ah oui, moi, demain soir, d'ailleurs, je suis peut-être là, mais genre tard. Ouais, okay, t'inquiète. Hein. 22-23, quoi. Enfin, je le dirai sur... On va juste choper les caisses. Comment ça? On va juste choper le Rebla, on va le mettre en full black, comme ça. Ouais, et on met quoi après? La Bifala en full black? Et t'as Sultan. Sultan, vas-y, chaud. Vas-y. Vous avez tous une tenue black?
Spielbacks. Il y en a juste un qui... Bishop, viens, on va chercher la caisse. Non mais attends, Vaki. Bishop, t'as une tenue full black? Non, j'ai pas. Ouais, bah tu vas aller t'en faire une. C'est qui, là? C'est bien. Pourquoi on prend pas la même pour toi? Baki? Ouais. Va chercher le Ray Black Medusa et ceux qui ont pas de tenue nord, ils vont aller s'en faire une. Vas-y, viens, Medusa. C'est pas mieux? Vas-y. Ah, t'as une tenue nord. Prends ta bec, y'en a. Ok. Ah, j'ai pas entendu. C'est un peu surpris, Medusa. Ouais, il est un peu, ouais. Bah, je m'y attendais pas, quoi. Mais je pensais qu'on allait faire quoi? Ouais, vraiment une transaction. Si un jour je dis qu'il y a une transaction, tu peux réfléchir à deux fois. Ouais. Ouais, bah, ça me paraît bizarre, sans un speedo, sans rien. Moi. Après, Bat, c'est pas celui qui avait déjà deux avertissements, là? Non, il avait une, mais il avait un avertissement. Mais le truc, c'est que quand tu dis que tu fais partie d'un groupe, ben nous, moi spécialement, je prends une décharge. Et là, si je prends beaucoup trop de décharge, du coup, il y a plus de chambres, là. Ah ouais, je vois. C'est un peu, entre guillemets, un point en moins. Vas-y, je te laisse prendre la bacon. Vas-y. Retour au quartier. Ça va, gros? J'ai pas. Merde. T'inquiète. Aïe. Vas-y, gars. Putain. On va juste un mécano. Je vais le mettre en full black. Moi, je suis au green là, si vous voulez venir. Bah, j'arrive. Y'a personne. Vas-y. Dites-moi ton cop, je vous aider les chefs. C'est la petite facture. Oh, j'attends un peu. Vous devez mettre de l'essence après. Ouais, c'est vrai. Bien dit. Ok, je reviens, je vais au workshop, je vais chercher à manger pour tout le monde. Vas-y gros. Vas-y. J'achète un moteur ou pas? Ouais. T'as la thune ou pas? Mais tu sais, à la base, je demande pas, mais. Ouais, 500$, 547. Bon, je vais l'acheter le moteur. Oula! Sinon, on peut le cotiser. C'est genre d'une colorité très spécifique. Oh, toi, si t'as fait une mauvaise blague, toi. Ouais, c'est ça. Tu reprends de tes véhicules. Ah.
Je sais pas, il est où. Tout est bon, chef, pour ta sortie. Ça serait possible de de changer la couleur. Tu peux faire une répa juste avant. Non, c'est une custom aussi. Bah attends, je vais faire le répa. Juste à mettre en full black et enlever les motifs du côté. Pourquoi vous enlevez tout vos custom? T'inquiète, pose pas de questions. Ah ouais, juste pour un seul coup. Ah ouais. Il n'y aura pas de réponse. En maths, pareil. C'est ça. Bizarre take. C'est bon comme ça? It's good. Et du coup, je vais t'acheter un moteur en plus, chef. Vas-y. T'as sorti les bouquins ou c'est comment là? Tu as montré ton bac plus 16? Il y a toute ma quicheta dedans. Trop soin en fait, je suis trop riche pour ça. J'ai plusieurs mallettes. Ça arrive avec tes moteurs. Avec ton moteur. C'est quoi pour les voitures? Change de couleur ou... ouais, mais t'inquiète, la Sultan et la Ribla, ils sont en full black. On prend seulement ces deux voitures là? Et moi je vais prendre la Biff solo. On prend pas trois voitures si? Une pour le rendez-vous et les deux autres pour péter, c'est ça? Ouais, c'est ça. De toute façon, moi je fais juste. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a une voiture sur le rendez-vous. Ouais. Ou sinon, je peux partir en bécane, mais. Ah ouais? Bah, pas moi. Vas-y, en voiture. Eh, hey, t'as pas une. T'as pas une. Toi qui avec la Buffalo bleue, en bleu. Ça, en tout. Okay. Yo! Por favor! Ça va? Guapito! Ouais, bien, les gars, j'ai une petite question. J'ai deux menus pour tout le monde. Oui, dis-moi. Il te faut des Beretta au pétoir? Non, il devrait, oui, il m'en faudrait. Un bolide. Il te faut quoi en particulier, Beretta au pétoir? Excellente soirée. Les deux. T'en veux combien de chaque? Wesh, caray! En vrai, j'en veux. En fait, tu, toi. C'est que le truc, j'en voudrais bien, mais. J'ai plus d'argent là. Tu m'as tout pris hier. Oh là là, mais va-tu. Quoi? Répète? Non, je me suis percuté en fait. Ouais. Mais du coup. Oh putain, j'ai pris un truc dans le Kiev. Oh là là. Messieurs. Aucune idée en vrai. Surtout que je nous encastre dans le mur, chef. Là. Ouais, c'est pas. Je te rappelle plus. Bah, je pense. Attends, vas-y, du coup, je t'explique. En gros, là, tu me dis combien t'en veux, combien t'en faut, j'en prends, tu vois. En vrai de vrai, si tu peux me prendre. 4, ouais, ça fait combien? Un Beretta, tu achètes combien, toi? 11K ou 10 500, je sais pas, si je connais pas trop les prix. Soit c'est 10K5, soit c'est 11K. Attends, on va dire allez 11K, du coup 11K x 4, du coup ça fait 44 000. Et plus les 4 pétards, du coup x 9. 9 x 4, ça fait un certain chiffre. Non, j'ai oublié, je sais pas compter, je suis nul. Moi aussi, c'est pour ça que je te demande. Ah, ouais, je suis là, attends, j'arrive. Ah, je vois que t'as pris ton téléphone. En gros, du coup, là il faudrait. Okay. Attends. Ah, des menus. Ah, c'est combien 9x4? 9x4, ça fait un certain chiffre. Et 2. 16 000, du coup. Ouais, je crois. 16? Ouais, c'est 16 000. Quoi? Ah, attends, non, il y aura un coup de la merde, lui. 36 000, attends, 36 000 plus 44 000. Ça fait 100 000. 80 000. Ouais, bah qui? Deux secondes, les Southside. Vas-y, ouais. Au pire, j'en prendrai un maximum, mais de toute façon, tu verras. Si t'en veux, tu me dis. Moi, je les prendrai quand je peux. Vas-y. Vous allez à l'enchère, les gars? Non. Moi, c'est quoi l'enchère de quoi? T'as arrêté l'eau? Vas-y, BMF.
Ah, c'est ça. Ouais, la BMF. Vous avez de la thune, vas-y. Hein. Ouais. Et vous, vous avez pas de la drogue? J'ai plus de drogue là, j'attends que les gangs ils se bougent un peu le cul. Ok, bah dès que t'as, tu nous appelles. Vas-y. Désolé, oh, désolé, ouais. Désolé les bacs, désolé. C'est pas une réunion criminelle. Vas-y les gars, on va bouger. Attends, va quitter, je vais chercher un. Melvin, il vient ou pas? Melvin, il vient? Devant, faites gaffe, je crois que ça va PO devant le. Non, 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 c'est PG, ça. Le PG. Comment allez-vous? Le Tuki. Le PG. Ça va, les gars? Vas-y, fais vite, Tuki, on va bouger dans le nord là, on va taper les enchères. Putain, il y a un mec, il y a déjà qui nous regarde. Ah bon enlevez vos. Oui, c'est une voiture de flic en plus, donc enlevez vos masques. Ouais, mentalité keuf encore, hein. Vous êtes des modèles, les gars. J'aime pas les apps. Mais il manquait. Ah, putain, moi, non plus. Ah hein. Bon moi, j'aime que les gens gentils. Pareil. Ah, du coup, là, c'est un barbecue ou je sais pas, un truc. Mais si vous voulez, demain soir, on se fait un petit barbecue avec les apps, non? Avec vous. Ah, bah, toi, tu te connais, toi, c'est le cas. Ah bon? T'es le préfet, toi. Hein? Moi? Ouais. Ouais. C'est vrai que je suis le préfet. Voilà. Hola hermano, c'est ça ben. Ah si si, viens, c'est bon, vous partez. Hein. Vas-y. C'est bon. Venez. Yo. Quoi ici, c'est un quartier? Bon, c'est... Yo, ouais. C'est là où on dort, on vit. Arrête. C'est vrai. Oui, c'est pas con. Vraiment ici? Ah bon? C'est qui eux? Non mais... Pourquoi t'agresses? T'habitais vraiment ici? Non, ouais, moi j'habite à... Dans les bâtiments barrage. En face. Vélas. Moi j'ai un petit théâtre. C'est ça. Bah tu fais quoi ici? Mais je dors. Okay. Attends. Ah, vas-y, je te laisse, au revoir. Vas-y. Yo. Oui. J'arrive. Vous venez ou pas bientôt? Ouais, et petite question, t'as des lots qui vous avez passé? Non, on passe où après? Non, ok. Parce que on sait jamais. Merde, mon plan de merde, putain. Ok. Bon, moi c'est okay. Nickel, hein. Vas-y. On commence dans 10 minutes. Vas-y. Les gars, ce qu'il m'a dit. Les loups, ils sont... Bonjour, Baki. Yo, Baki. Les loups, ils seront passés. Ils vont le passer plus tard. Mais ce qu'on va faire, on va quand même aller pour voir. Faut qu'ils mettent de l'essence dans ton rêve là. Ouais. Et où, John? Vas-y, j'y vais. Il est dans la suite. Après. Non, c'est pas grave. Ouais. Deux John, secondes, le stream. Fais pas un câlin, John? Si, attends. Tu vas manquer toi aussi plus tard. Juste que vas-y, on devait partir il y a bien longtemps là aux enchères. Qui? Ouais. Ce soir, c'est pas un soir comme un autre. Hein? Tu vois, on est habillé en noir, mais en vrai, le noir il a une symbolique aussi. Ah, c'est vrai que vous êtes tous en noir là, qu'est-ce qui se passe putain? Voilà, on t'a pas dit, mais monte dans une voiture. Merde. T'es braqué. Non, mais à ton avis, pourquoi on s'habille en noir? Je sais pas, moi la dernière fois que j'ai entendu qu'on s'habille en noir, c'est quand il y avait des petites coopérations entre. Ouais, mais oui, bon, il y aura un dièse ce soir, mais à l'état civil, pourquoi les jeunes s'habillent en noir? Peut-être qu'on va aux enchères ou nous reste braquage, dehors mais... Non? À l'état civil. Ça... État civil? C'est quoi ça, état civil? Genre les. Quand les, t'es un les civil gens... normal, genre. Toi, tu te mettrais en costume noir, pourquoi? Un enterrement? Ouais. C'est ça? Quelqu'un qui est mort? Qui est mort, putain de merde? Bah. Bon, je pense que. Tu vois, Melvin. Ouais. Content de quelqu'un. Ah, putain, Bishop. Non, mais nique ta mère, c'est moi là. Non, merde. Ah, vas-y, putain, les gars, montez, on va bouger. Montez. Non, c'est. Et Baki, nous on reste devant du coup. Attends, j'en ai pas encore deux secondes à manger. J'en ai pas pour le. Vas-y, de toute façon, vous le récupérez. Vas-y, John, tu peux m'entendre, je vais avec toi. C'est le pire. C'est vrai, c'est la merde. J'en ai pour deux secondes là. Merde, ça va être tout fini. Voilà le pire, hein. Tu vois, Les gars, moi j'y viens. Et Tuki, tu peux te reconnecter sur la nouvelle radio? J'y suis. Vas-y. T'as modifié ta radio? Mais après là, tu bah, y a rien sûr, à faire. Bien sûr, je suis sur la 73.93. On va chercher vite fait okay. Un masque. Avec, je vous ai dit bonjour sur la radio en plus. J'ai un casque, j'ai un casque. Non, c'est ce que j'étais ailleurs. Baki, tu me fais un petit brief en 30 secondes? Non, on va aller aux enchères, mais vu qu'on a pas de thune, bah, on va juste faire une présence et on va voir qui a ramené de la thune. Et les personnes qui a ramené de la thune, on va les... Vous avez la poste sur le groupe, le rêve. On va les braquer. Les pétards? Ok. Ouais.
Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait 21 annonces sur WhatsApp, je vais tout lire. Vas-y. J'ai vu, t'as fait de l'annonce, putain. Il faut bien avoir un petit. Ok, donc ça, c'est les présences. Ok. Okay. Discussion, 12 notifs. Ah, c'était des pings, c'était pas des informations, c'était que des pings en fait. C'est ça. C'est du ping. Ça va, Melvin? Il est pas trop voir vu que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? T'as du quoi, Toki? Je t'ai dit ça va? Ouais, vite fait. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi, parle à tonton Toki. Ouais, regarde, continue à lire les discussions et les annonces et tout. C'est bon, j'ai fini. Ah bah alors, je crois que t'as la réponse, hein. Ah merde, alors attends, j'ai raté une info là. Attends, je relis. Non, plein gré, c'est pour le groupe. Je sais pas s'il va regarder la rédif, mais c'est pour le groupe. Baki ? Ouais. Tu vois comme la tête à Tuki, elle est cramée de baiser. Ouais. Tu veux pas... Non, de toute façon, si Tuki il a eu... si on est tous masqués, Tuki automatiquement il est masqué. C'est... Ouais. Après, on a toujours. Ah, on a la plaque, hein, par contre. Hein. L'autre. Bah, casser le coffre ou je sais pas quoi. Je trouve pas l'info, hein. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'ils allaient buter un mec qui était tout le temps avec toi. C'est qui, Baki? Les gars dans la sultane, les frères, faut que vous ouvrez le coffre. Je sais pas, y a le poteau il m'a dit ouais, il y a un mec qui va se faire buter qui est tout le temps avec Melvin. C'est qui est tout le temps avec Melvin déjà? C'est Bots. Oh, c'est les... Bots. Là en vrai, ah bah j'ai cassé le capot. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Bots? Il vient plus? Oui, oui, je vois. Non, je l'ai tué parce qu'il a utilisé un autre. Quand il s'est fait PO, il a utilisé un autre nom de groupe. Et ça, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, du coup, bah. Faut pas aller directement à la pause, hein. Il s'est fait péter par qui? Par les Canadian Boys. Pourquoi? Parce que il s'est fait péter. Bah, je crois qu'il était en guerre et tout ça, du coup il est en PO et. On est en guerre avec les Canadiens depuis quand? Non, mais ils sont partis, ils ont duré une semaine. Et donc t'as buté un mec pour des mecs qui sont partis? Non, c'est ah, que. Je voulais pas le dire, mais je crois que je l'ai pensé trop fort carrément. Il vient d'arriver, carrément ça. C'est. T'as canné un mec qui est là, alors que tu sais qu'on a un problème de monde, tu cannes quelqu'un qui est actif, ensuite tu cannes quelqu'un pour des gens qui sont partis, tu sais que les mecs font de la merde, et en plus, ça s'est même pas passé comme ça. Je le fais pour bien du groupe. Hein. Ok. Après Belek, hein, tu peux développer ou c'est chaud? Attends. Quoi, t'allais te faire taper sur les doigts, Baki? Si tu le faisais pas, c'est ça? Bah, oh, regarde, non, non mais regardez l'intro les gars, regardez l'intro, regardez y'a qui. Bah j'ai vu. Voilà. Sauf que le truc c'est que après la mort, bah y'a un papillon qui est venu nous voir et ils ont dit que c'est toi qui a pris la décision. Ça. Bah donc Soit c'était ça, soit c'était en bouche tous. Je crois que la décision elle est facile à prendre. Bah. Oh vas-y. De le côté, c'est de le côté les frères. Ok. Je pense que je suis peut-être aigri, je sais pas mais... Non mais c'est normal hein, allez, je le comprends totalement. Et Bats, moi je l'aimais bien Bats, il a pas de la famille. Bah... Je sais pas, il a pas un cousin, il a pas... Alors attends... Ah j'ai vu de ses cousins. Ça va... Je sais pas, apparemment il a plus le droit de revenir là, d'après Baki. Je me trompe, Baki? Non, t'as totalement raison. Ok. Et apparemment, y'a que Tuki et moi, on aimait bien Bats. Moi aussi, je l'aimais bien. Depuis quand je vois des feuilles qui volent là, bordel? Moi aussi. Y'a des feuilles qui volent. Je sais pas ce qui branle. C'est l'automne. Et pour la décision, t'as consulté Tuki? T'as consulté moi? T'as consulté John ou. Personne. Ok, ok. Tu m'as dit quoi, John? Non, c'est bon. Une planque à côté.
endroit où se cacher. Comme ça, si. Là, de toute façon, on a rien à péter. Non, non, non. Ouais, bah, franchement. J'ai du pipo là. Y'a battu. Yo les boys. Yo. Ouais, bah qui ouais, tout ça. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Abraham. Bonsoir. 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 Ça va bien, les gars? Ça va, super. J'ai le temps. Salut, salut à tous. Salut à tous. Salut, salut. Hola, hola. On se met où là? Hola, hola, tout le monde. Hola, hola, BMF. Hola, Breaks. Ça, à côté des Chamberlain. Ah, Baki. Allez. Qui m'en est toi? C'est au Baki, viens ou quoi? Tranquillement, et toi? Ouais, Baki, mon boy, c'est comment? Comment? Enfin, parce que là, tu te mets sur la montagne. Je sais. T'es cramé, frère. Je sais. C'est pour ça que tu m'as spawn de la ville. Je sais. Bien. Mais c'est pas compliqué, regarde ton GPS. Bah oui. Ah, les iPhones. Ouais, comment hein ça va? Comment ça va? Ça va au calme, mon sauce. Tranquillement. Là-haut, donc je sais pas. Tranquillement. J'ai liké ton son, hein? Non, parce qu'on est dans, non, la, sur... dans la logique, ils vont sortir là-bas. Aussi, hein. C'est lequel? On sortir. Le troisième. AD. Zeus. Ah, attends, je vais l'écouter. Ah, il est pas ouf celui-là, c'est un petit peu ça qui a été mixé, mais c'était. Ah, bah non, il est... Moi j'ai écouté, j'aime bien. Bon, ça va là. T'es mieux que moi. On peut se mettre à gauche. Je fais une petite écoute sur le tien là. Vas-y. Autant de bruit qu'un orage. Bon, j'ai niqué un putain de blanc cœur. Car je l'ai toujours vu comme un putain de blanc cul. Donc, je ressens toujours un peu de rancœur. Mais t'inquiète, tout ça, ça ne reste que mon point de vue. Et mon pote, t'es chelou, t'as pris quoi? T'as tapé dans la C. Putain, ouais, les boys, je peux quand quelqu'un avant là? On évite les petits frères. Derrière, en fait, derrière les frères, vous voyez pas un petit touffe? C'est bon. Et on a. T'as vu mon petit cœur dans ma casquette? Il te faut un truc à boire, Midge. Non, je demande justement si quelqu'un avait un truc à grailler, tout. On a de la graille, on a ramené un pas de graille. Donc, mais je peux! C'était pas les refs. C'est un peu goût, ouais. La coupe que tu m'as fait? Ouais, ouais. Tu kiffes? Ouais. Donne-moi à boire et à manger. Il y a Lou de l'autre côté? Ouais, je vais refaire la compta. Non, mais lui, je vais lui refaire la tête, frère. Non, mais franchement. Il y a 5 minutes au checker, on demande si quelqu'un a soif avant lui, dis non. Putain, manger à boire, chef. Vas-y. Ouais, je mets par terre. Bah attends, je peux pas là, mais. Il a pas d'un menu sur lui. Ah, mon gars, on est toujours équipé. Hein. Merci, Chirical. Là, je parlais à Joe là. Le bâtard. Non, voilà que j'ai pas de menu. C'est ça. Ils sont là ou pas? Depuis que je suis en ville, j'ai jamais payé un menu. Bah, en plus, c'est trop cher. J'ai quoi, pas un 4x4. Le mendiant. La dernière fois, j'ai acheté un 10, on me l'a offert. Ouais. Tant qu'on commence. Et c'est gift. Ils prendront dans le cours. Ah, j'ai oublié mon petit panneau pour faire les enchères. Bah, s'ils répondent pas, laisse tomber. On va commencer sans eux, c'est pas grave. C'est pas la peine. Il te prend même pas la peine. Allez, il est dans le turfu, il est dans les airs. Là, mon pote. Ouais, ok. Bah, attends, vas-y, je vais essayer de faire. Attends. Tu verras ça nulle part d'autre. Bah, si, si, je le fais aussi. Bien vu. Je fais juste une photo, les gars. Vas-y. Si tu veux tourner vers moi. Je vous le dis, les deux chemins mènent à cette intersection. Donc soit ils descendent, soit ils continuent. Les deux chemins, ils mènent là. Ah non, ils peuvent tourner avant là-bas. C'est cool. Vas-y. Regarde. C'est moi qui rentre dessus. Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est lequel le E? C'est celui-là? Ah non, c'est mort, je vais pas pouvoir. Attends. Ouais. Ah ouais, ça. Carrément, t'as fait me faire quitter la ville. Dans le chien.
Bon les boys, là il commence à être un peu l'heure donc on va commencer hein. Oh, Lamar c'est carré. Lamar. Yo Lamar c'est bon pour toi ou pas? Ouais c'est bon, Ok. Ok les boys. Ouais. Ouais ça glisse ici. Hop là. Bon déjà je veux demander est-ce que ceux qui sont tout enfants ils m'entendent bien ou pas du tout? Ça va. Ouais, on t'entend. Ok, nice. Dans un premier temps, je vous remercie tous d'être venus. Là, aujourd'hui, on a décidé, la BMF a décidé de essayer de faire quelques petits cadeaux à la ville, tu vois. Donc, les gars, ce qu'on va faire ce soir, on aura des petits lots intéressants, comme je vous ai promis. Hein. Il y aura de l'arme, il y aura de la drogue. Et voilà, on va voir comment ça se passe, on va voir qui va se mettre bien ce soir. Donc, vas-y. Donc, déjà, dans un premier temps, on va faire un petit tour de présentation. Donc, je vais appeler les leads de chaque groupe. S'il y a un groupe qui n'a pas son lead, au moins le gradé, ou la personne qui est venue représenter. Donc, les leads de chaque groupe, avancez-vous. Essayez de vous aligner en arc de cercle devant. Comme ça, on aura meilleur visu, ce sera plus simple pour l'enchère. Axel. Yes. Oui. Ouais, il y a des cops, je crois. Il y a des cops à ce qu'il paraît, à ce que j'ai entendu. Il y avait des convois tout à l'heure, je préfère le dire. C'est comment Lamar ? Ouais, mais c'est convoi de fond tout à l'heure qu'ils étaient, on les a vus. Ouais, il y avait des flics juste en bas là, donc. Ok. Non, sur le pont, on les a esquivés. Non, c'est bon. De toute façon, on a un guetteur, donc on a un guetteur qui va regarder pendant toute la transaction. Toute la volée. Ok, du coup, vas-y, on va commencer par la droite, hein. On va commencer par le cercle. Si jamais, par la suite, vous voulez, vous avez besoin de numéros, vous voulez prendre contact avec quelqu'un et tout ça, bah, vous me le dites sur notre BMF. Ou vous envoyez un petit message à mon gars SK, que ce soit dans le groupe ou que ce soit en perso. Voilà, n'hésitez pas, comme ça, on fait tourner les numéros, on voit si tout le monde est d'accord et c'est carré. Vas-y, on commence par le cercle, let's go. Bah écoute, le cercle, nous ce qu'on fait en ville, on règle quelques problèmes quand il y a des petites PF qui ont des problèmes avec d'autres. On se met au milieu, on essaye de régler le problème avant qu'une guerre s'enclenche. Et voilà, c'est notre bis principal, sinon on fait de l'événementiel, privé, mais que pour le monde illégal. Ok, nice. Vas-y, on continue dans l'ordre. Ouais, moi c'est polonais, c'est une PF1. Bientôt bandit, c'est tout. Hein. Ok, nice. Par contre, pensez bien à crier, les gars. On vous entend bien. Vas-y, on calme. Moi, c'est la Genova, fraîchement PF2. Et vas-y, on touche un peu à tout. Merci beaucoup. Vraiment. Et par la suite, ouais, j'aimerais bien faire des events pareil. Ok, nice. Next. Alors, nous, c'est Peaky Blinders, donc on est quoi axé sur la drogue. T'entends, John ? On est axé aussi sur le commerce, et on est actuellement une PF1. John, t'entends ce qui... Attends. Nous voulons passer PF2. Ok, propre. Suivant, force. Présente, nous, les Hermanos, c'est la Vanguardia. On va pas vous mentir, on est sur tout type de business, Hermano. En particulier, après, pour les orgas, on propose tout ce qui est protection de zone. Peaky Blinders, Mais on est sur l'armement aussi un peu. Et on est aussi sur l'organisation des événements. Si vous voulez que je vous cite un peu les événements qu'on va organiser, c'est chasse à l'homme, chasse au trésor, stop-car, course, qui peuvent être tout chic comme voiture. Salut Mathias. Les fameuses enchères aussi. Mathias, mais Mathis, je sais pas lire. Hein. On va se permettre aussi à certains moments. Ok, nice. Cool, Black, cool. Black DC, petite PF1. Et voilà. Ah, faut vendre un peu plus, mon frère. Il faut vendre un peu plus là. Plaise à la communauté, mon ref. Surtout pour des blagues du Seppel. Oh, lourd. Ouais, vas-y, next. Du coup, affilié Chamberlain. On est sur quel type de business? La weed et la cocaïne. Après, arme blanche et arme à feu. Et voilà. Ok. Next. Nous, c'est les Warren. On est une PF2. On touche à tout aussi, et prochainement on va organiser pas mal d'events. Ok, c'est lourd. Et juste derrière, Ghost North PF2, on est sur le business drogue, arme. Tu peux crier s'il te plaît?
J'ai dit, c'est les gosses nord, TF2, on est sur, sur tout le business des armes et de la drogue. Parfait. Ok, c'est propre. Donc voilà, je répète, hein, ceux qui veulent des numéros, ceux qui veulent des infos, envoyez directement sur votre liaison sur l'intra-BMF ou envoyez à mon gars SK à ma droite. Alors, du coup, pour ceux qui nous connaissent peu, plutôt, je dirais, nous, c'est la BMF, Black Mafia Family. Donc, bah, pareil que vous, hein, on est un peu dans tout. On commence à balancer pas mal d'événementiels. Donc, soyez à l'affût, restez branchés. On va vous envoyer du lourd. Mmh, Mitch. Il y a le label aussi, ouais, hein, le label. Tu peux peut-être faire une petite pub BMF, pour la semaine prochaine. Ah oui, oui, aussi, ouais, je profite que vous soyez tous là, les gars, parce que la semaine prochaine, il va y avoir un big event aussi. Ça va être un gros match de boxe. Gros event, tes frères. Pas mal de surprises en même temps pendant le match. Donc, soyez présents aussi, préparez vos meilleurs combattants. Entraînez-vous, les gars, parce que ça va envoyer. On va cramer du biceps, là. Semaine prochaine, on va vous envoyer plus de détails sur les intras de tous les groupes concernés. C'est un vrai bail qu'on va vous balancer. Hein. Un vrai bail. Un vrai bail. Pas besoin, je suis déjà fort. Je peux poser une question? Est-ce que ça a un lien avec un Street Fighter un peu? Street Fighter? Ouais. Non, même pas. Ok, bon. Vous inquiétez pas, vous êtes pas prêts, vous avez pas vu ça. Ok, bon. Vas-y, propre. Vous êtes l'entertainment. Ok, les boys. Là. Toi aussi, t'es en train de t'entraîner, Baki. Entraîne-toi bien, Baki. Hein. Qu'est-ce qui s'est déjà fait? La concurrence, hein. Ok, les boys, on va rentrer dans le vif du sujet là. Là, on va commencer à partir sur les enchères. J'espère que votre salle il est prêt et qu'il est bien sale parce que là, il va falloir envoyer. Je sais pas combien tout le monde a préparé. En tout cas, ça va donner ce soir. Zéro. J'ai une question, Hermano. Je te mens pas, nous on n'a pas pris le sale sur nous. Mais c'est pas grave, on peut faire ça à part. On peut faire ça à part. Ah, okay. Il y a des gars qui sont pris de la thune là? Normalement, ouais, vous ramenez. Normalement, ramenez jamais le sale pendant ça, les enchères et tout ça, ouais, parce que. On sait jamais ce qui se passe. Merde. Ah, de ouf. Genre là, tout à l'heure, imagine, on serait fait péter. Ah là, t'as mal au dos. Donc, du coup, pour vous dire, là, ce soir, on va avoir 6 lots au total. Donc, bien sûr, ils auront des prix différents. Oui. Désolé. Ah, ouais. Et du coup, dans les silos, on va avoir un peu de tout. Bien sûr, il y aura des lots qui seront au-dessus des autres. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Il y aura des lots qui seront au-dessus des autres. On va pas vous les annoncer, mais à vous de juger par le prix, les gars. Voilà, c'est le petit indice que je vais vous donner. Est-ce que tu veux introduire les lots? Je vais gérer le bail. Non, vas-y, je gère. Je crie une note. Ok. Lemar, vas-y, dis-moi. Attendez les gars, vite fait. Excuse-moi, tu peux me retirer, c'était quoi par rapport à l'indice, Hermano, vu que j'ai bien insisté. Oui. Hermano. Oui, dis-moi. Et on t'entend tout doux. Hermano, tu m'entends? En soi, ouais. C'est en quoi soi, le... Si, on peut dire. Ok, bon. Oui, après. Tu finis notre truc, on arrive. Ouais, vas-y, ouais, on va faire ça. 23 minutes. Ouais, de fou. Ok. Oui. On va faire comme ça, mon gars. Ok les boys, donc premier lot, je vous l'annonçais, bon, pour chaque lot, je vous annonçais le contenu. Donc à vous d'enchérir. Et si tout le monde est prêt, let's go. Alors, on commence par le premier lot. Dans le premier lot, on aura 150 de weed, 50 faux passeports. On commence les enchères à 25. Et combien de passeports? Allez, 26. Ouais. 26, dites vos PF. Vanguardia, ouais. Vanguardia 26. Voilà. 26, Vanguardia. Qui dit mieux? 26, Vanguardia. 27, quel PF? C'est parti faire des calculs là. Les PF, Genova. Les PF, dites les blazes, Genova. Genova, excusez-moi. Ouais. 27 Genova, les gars. Qui dit mieux? 27 Genova. 27 Genova une fois. 27 Genova deux fois. Ok pour les Genova. L'O6 Genova. Bah, c'est carré. Je laisse noter. Bénéfice de $750. Non. Scaresca. Bénéfice de carré. Vas-y, propre. Ok, on passe au prochain lot. Donc, pour le prochain lot, on va partir sur 300 de weed et 30 faux papiers.
Ça commence pareil à 25k les boys. C'est parti. Vas-y 25, Hermano Vanguardia. 25 Vanguardia, bah du coup 26. Ouais 26, bah ça commence à 25, je peux commencer à 25 donc, en soi. Vas-y let's go, les gars. 25 500. 27 polonais. Ah, on enrichit un cas par un cas quand même les gars. 27 polonais. 27 polonais, ok. 28 piqué. 26 piqué Game Blenders. Let's go, let's go. Qui dit mieux? Ouais, 50, c'est ce qui me semblait, Mathis, c'est pensé. 26, t'as dit 28. 28 piqué Blenders une fois. 28 deux fois. 29 pour les ghosts. 29 pour les ghosts. 29 pour les ghosts une fois. 29 deux fois. Ok pour les ghosts, ça part. Noté. Ok nice. On passe au troisième lot. Pour ce lot là on va avoir 3 armes blanches, 150 mètres impurs et 30 faux papiers. Attends il a dit combien? Départ 30k. Excuse-moi combien de faux papiers? 30. Ah ok nickel, excuse-moi. 30 faux papiers. 31 Vanguardia. 31 Vanguardia. 32 le cercle. 32 le cercle. 33 Vanguardia. 33 Vanguardia. Qui dit mieux? Mieux. Ça, il y en a, il mérite une balle. Monstre. Ok, 33 Vanguardia une fois. 33 Vanguardia deux fois. Je sais pas s'ils sont bénef. Let's go pour les Vanguardia. C'est carré. Combien c'était 33? 33. Ouais, 33 ouais. Ok, c'est nice. Allez, quatrième lot. On part sur 300 mètres purs. 35K. Et de départ. 36 le cercle. 37 Warren. 38 Blaggy. 38 Blaggy. Vanguardia. 40 pour Vanguardia. 41 Polonais. 41 Polonais. 42 Vanguardia. 42 Vanguardia. Blaggy. 50 Warren. 50 Warren. Qui dit mieux? 52 Blaggy. 52 Blaggy. 55 pour les gosses. Qui les mecs avec les têtes de loup? Je sais pas pour rire. Combien ça? Combien? C'est le 55. Cercle qui s'appelle. 55 une fois. 56 pardon. C'est 300 mètres. 57. Pur ouais, c'est du pur ouais. Allez, excuse-moi, t'as dit quoi? 57 pour les ghosts. Allez, 57 ghosts. 65 pour les Genova. 65 Genova. Vas-y. Qui dit mieux? 65 une fois. 65 deux fois. 65 500 pour les ghosts. Ah, 1K par 1K. 66. 66 pour les ghosts. 67 Blaggy. 69 Genova. Dis mieux. Je comprends pas là. 70 pour les ghosts. 70 ghosts. Ça coûte pas autant cher la métier. 70 une fois. 70 deux fois. Ah, les ghosts ils vont passer. Hein. 70k. Noté. Nice. Ok, on part. Sur le cinquième lot. Ça commence à monter en pression là. Ok les boys. Sur celui-là, on va avoir deux pétoirs. 50 faux passeports. 10 mètres purs. 100 mètres purs, excusez-moi. Et on démarre à 40k les gars. 50k. 100 mètres purs. 60k Warren. Doucement les boys. 70 000 Blaggy. 75 pour 80. 80 000 Vanguardia. 80 000 Vanguardia. 100 000 Vanguardia. 100 000 Vanguardia, ils sont chauds. C'est abusé. Très 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 bouillant. Vanguardia une fois. 100 000 deux fois. Adjugé pour les Vanguardia. 100 000. Ah, les gens, ils blaguent pas qu'on entend pétoir là. Ah bah oui, dès que ça fait pampan. Et ça fait clic clic pampan. Excusez-moi. Quand ça fait clic clic pas. C'est sérieux. Notez. J'ai obligé de sortir. Je suis mort. Ils sont tes. Il y a la mort au téléphone qui tire des coups de pression. Ok les boys, on arrive sur le sixième lot. Sixième lot, on va avoir 3 pétoirs, 15 faux papiers, 200 mètres purs. On commence à 45k. 50 Vanguardia. 150 le cercle. 150. 80 le cercle. 90 Warren. Blaggy. T'as dit combien? 90 Warren. Je viens de dire 150k. Il a dit 150k. 150k.
Ah, il les veut, hein. On a dit pampan, pao pao. Ah ouais, pour 3 pédons. Hein. Il les veut, le pampan, l'argent sale. Le... Ah ouais. Tranquille, c'est facile à allez, en faire. 151 fois. 152 fois. Ah, c'est cadeau, les frères. Adjugé. Hop là, Black D. Eh, j'espère qu'ils sont réglés, les pétoirs. Hein, parce que si tu tires travers avec 150 cales pétoirs. Ils sont enrayés. T'inquiète pas, le pétoir, tu tires en l'air, ça touche la cible quand même. Il est spécialisé avec un IM bot. C'est pas qu'il est guidé carrément. Il y a de la sorcellerie dans nos pétoirs. Ça se fait vite de l'argent sale. Ça se fait vite de l'argent sale. Ah ouais, ça va vite, hein. Ouais, ça se fait vite. Hein. Ça se perd vite aussi. T'inquiète ça se perd super vite. Hein. T'inquiète pas pour moi. Ok, ok. Donc là, on a fait les 6 lots, mais let's go. Moi, je suis chaud pour ajouter un petit dernier lot. J'avais prévu au cas où. C'est pas ouais. Donc c'est pour rattraper si jamais il y en a qui sont pas contents de pas avoir eu certains lots. Il est un peu plus calme, mais il est quand même pas trop mal. Donc sur celui-là, 7ème lot, petit mystère, hop. Sur celui-là, il commence... Oh merde, attendez, deux petites secondes, les boys. Il y a un pistolet à eau. Ça fait bien. Il y a ma paire de... Je sais pas, gris mystère. La boucle en or, les gars, en massif. Moi, s'il y a tes mocassins, j'achète. Utilisé ou pas, il est chaud. C'est de la seconde vie, frère. Hop, hop. Mais d'où tu sais que tu le sors ton tam-tam, toi? Mais il était dans du son. Ok, pour ce lot-là, on va commencer à 30k. Allez, 40k Van Gordia. 40k Van Gordia. 40k Van Gordia. 45 polonais. 45 polonais. Le cercle. 55 Black D. 55 Black D. 60 Vanguardia, allez. 60 Vanguardia. 63 Black D. Oh, merde. 63 Black D. 35 les ghosts. On sait jamais ce qu'il y a. T'as dit quoi, les ghosts, 65 les ghosts. 65 les ghosts. 66 Black D. 66 Black D. Des joueurs ici. Ah oui, ils se laissent pas faire. Bien. Donc 66 Black D une fois. 67 Warren. 67 ah. Warren. 68 Black D. 70 Warren. 72 Black D. 73 Warren. 74. 74 Black D. Je sais pas si c'est un autre. 74 Black D une fois. 74 75 Black pour les D ghosts. Deux fois. Ah, 75 pour les ghosts. C'est quoi le lot? C'est quoi le lot? C'est pas 75 une fois. Je m'arrête, hein. 76 Warren. 76 Warren. Ah, 76 une fois. 76 deux fois. 78 pour les ghosts. 78 ghosts. J'aime bien, j'aime bien. Ça joue. Stop. Ça cesse pas faire. 78 une fois. 78 deux fois. 79 Black D. 79 Black D. On laisse. 79 une fois. 79 deux fois. Adjugé pour les Black D. Du coup, ouais, il y avait quoi dans le lot? Il se laisse pas faire. Hein. Ah, il y a que la personne qui va l'avoir qu'il soit. Il y avait un sachet de popcorn, un pistolet à eau et une paire de mocassins. Tu seras au courant, Dani. Ouais, ça va, il est gagnant. Ok, ok. Sinon, c'est plus mystère. Parfait. Ok, on est nice, les boys. On est nice. Noté pour toi. Noté, vas-y, carré. Ok, les boys. Bon, j'espère que ça vous a plu pour, et que vous serez content de vos lots que vous avez réussi à choper. On essaiera d'en faire d'autres. On sera chargé, les boys. Il a disparu. Alors pour ceux qui ont gagné des lots, donc j'appelle Black D, Ghost Genova et Vanguardia. Bon, on a rien à acheter, mais avec moi, bon. Non. Oui. C'est bien. Oh là, t'as ou pas ah ouais, ouais. Vas-y, viens. Pour tout le monde, en tout cas, bien vu les refs, bien vu les refs d'avoir participé. On retiendra au jus chaque nouvelle chose qui vont se passer, tout ça là. Et les gars, allez liker les photos, allez liker nos sons. BMF, No Money Fast, let's go. Il y a de l'artiste de qualité. Hein? Juste petite question. Celui qui est tout là-bas, tout en haut, c'est chez vous ou pas? Ok, nickel. Et son cadre de la zone. C'est le guetteur de la zone. C'est bon, les gars. Le Ghost Nord, vous avez pris des lots? Ouais, c'est impossible. Venez, il m'appelait Ghost Nord. Je peux dire aux autres de y aller. Ouais, c'est clair. Ouais, j'en suis douté. Bon, les gars,
Ouais. Là c'est bon, c'est fini, vous pouvez y aller si vous voulez. On attend nos... Ok, bah pour les autres, on vous recontacte pour le prochain événement et tout. Ça arrive bientôt les gars. Ouais. Merci beaucoup. Tu peux voir Ekaska aussi, hein. Tu peux voir Ekaska. Ouais, tu peux voir Ekaska pour le taf. Ouais, mais j'avoue, Ouais, SK aussi. Oui. Y'a plus qu'à le recruter. Et ils t'ont donné mon blaze ou pas? Combien? Je sais pas, non. Appelle voir si c'est moi, ça se trouve, c'est même pas moi que t'as fait. Et pour? Repais-toi. Waouh. C'était cher les enchères. Ouais. Ah, Baké, Baké, c'est le. Il est où? Ah, il est dans la voiture là, ouais, c'est bon, c'est bien nous. C'est bien nous, boys, c'est bon, nickel. Bah, appelle Baké et on se capte. Hein. Ouais. Yo. Bah, allez, au plaisir, les gars. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je m'incruste. 7-7. Oh, dis-nous, ouais. Tu peux t'incruster, boy. Bah, y'a. Y'a Bishop, Ice, John, Medusa, Baké, tout qui m'aime. Ah, vous parlez pas aux inconnus, c'est ça? Un truc. On est à Palito. Vous êtes pro-britannique, vous aimez pas les Américains. Ok, j'arrive. Et... ouais, mais non. Ouais. Quoi? Tiens, arrive non, en pas, black. Enfin, okay. Vas-y, enlève ton masque. Non, mais toi, t'as pas besoin de que j'enlève mon masque. Il a pas de moto. Non, on est vraiment en véhicule mortac. Négatif. Ouais, ou sinon, tu te mettras à la Syrie. Tu passeras ton véhicule à la Syrie et tu monteras, ok? Je me mets les gars juste là, je vais prendre des photos. Genre les bugs ils montent dans quelle caisse. Oh là là. Je sais pas si je peux faire ça. T'es en radio là, dans la voiture à Medusa, ou du que ça dorme s'il vous plaît. Un aqua baqué. Tu fumes. Baqué twice. Je suis en train de regarder dans quel cas il va monter le lot là. Vieux truc déjà, je te permets pas. Je t'en fume pas trop derrière Malvin. Parce que je sais que toi c'est le sport, toi. Sport à fond. Ouais, c'est pas grave, on fait les deux. Bah, venez, on calme. Yosun. Ça va? Tranquillement, et toi? Ça va. C'est où le stockage avec, pour les guns? J'ai déposé mon gun, il a disparu. Oui, on a modifié. Ok, il est où? Il est dans un local qui est très bien caché. Ok, bah vas-y, j'ai pas de gun. Vas-y bah demande à Palito. Vas-y. Vas-y sans gun alors. Il est toujours là-bas l'autre. Ici personne connaît, tu peux. Salut les Chamber. C'est Baké. Yeah. Ah t'es là, t'as vu là, mais pourquoi je fume? Mais ouais. C'est quoi ton truc? T'as vu? Mais tu connais pas l'intérieur de mais non, mais t'as jamais visité. Je croyais que tu connaissais pas. Ah bah voilà, tu vois. Mais je connais, mais j'ai jamais. Il est pas allé vers sa caisse. Bon, moi j'ai des trucs à faire, faut que je m'en bats les couilles, je m'en bats les. Ouais, ça va. On est sur une vente aux enchères, on est un peu dans le nord. Non, si tu veux, je t'en la pose, on va bouger. On va arriver de toute façon. Vas-y. Baké, tu sais, c'est qui me. Ah ouais, non. C'est pas de gros.
Les gars, j'envoie la photo sur l'intra. Ouais, pas de soucis, BG. Je suis en attendant que ça fait une heure. Voilà la caisse. Ouais, toi. Bah, qui c'est qui m'a appelé? Ils ont dit non pour le type qui est mort. Tu te souviens de Sacha White? Du coup, toi, Baki, tu les suis pas avec ta voiture. Non, du coup, moi j'attends juste qu'il... Alors là, Sacha White, ça me dit un truc, mais... Celle qui nous avait fait le site et tout, qui était hyper motivée, je sais pas si tu te rappelles, pour le label. Elle à l'époque. Elle nous avait fait le WhatsApp et tout. Ah oui, j'avais passé 9K pour moi, qui offre une caisse alors qu'il a jamais offert la caisse. Tu te rappelles d'elle ou pas? Oui, je m'en souviens. Mais elle m'a appelé. Ça fait deux jours qu'elle m'appelle, mais vu que j'étais pas là, c'est... Tu la déposeras là-bas, quoi. Et elle dit quoi? Tu me la déposeras là-bas. C'est le dernier truc qu'il a dit. Là. Ça va, elle va bien. Ah, mais je sais pas, je l'ai pas eu au téléphone, du coup. Bah oui, je suis con. Mais envoie sur le téléphone... Attends, je suis déjà proche. Et je l'appelle, bon, en gros, les gars, c'est une Sherman noire. Sherman noire avec la plaque noire et tout ça. Quoi, on doit la poursuivre? Non, on doit juste la suivre. Pour savoir où ils vont. Mais après, on c'est la suit, mais Baki, ils vont voir quand on les suit. On s'en bat les couilles, ils savent pas qui vous êtes. T'as une moto? Oui, mais bon, des mecs qui roulent noir qui les suivent, c'est suspect. Ouais, non, je vais dire des simples. Ouais, putain, une moto, ça aurait été plus discret. Non, là, j'ai pas trouvé dans le garage. C'est la Sherman, les gars. J'ai envoyé au groupe. Essaye de nous dire, tu sais, quand elle part. On a toujours sur pause. Quoi? Toujours sur pause. Tu nous dis juste quand elle part. Vas-y. On va faire comme il y a éventuellement deux sorties. Pourquoi on se mettrait pas dans l'autre sortie, au cas où? Non, un peu. Il reste là et l'autre là-bas ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut éteindre tout ce qui est phare, etc. Moi, je vais à l'autre sortie, moi. Ouais. Bah, je vais me foutre, moi. Tu sais, là, il y a un endroit en fait, près d'un silo. Regarde sur la carte, il y a un petit silo, isolé là. Là, ça va bien là. C'est pas cette sortie là. Ah bah, à moins qu'on mette Seven là-bas. Je sais pas, ma sortie, il y a que deux sorties. Je vous envoie. Il y a la vôtre et celle-ci qui est sortie. Non, il y a ça aussi. Je vois la destination. Tout là-haut là? Ils peuvent sortir par là aussi. Et comme on est trois voitures... De toute façon, Baki va nous dire vers où il sort. De toute façon, les gars, il y a qu'une sortie. Hein. Non, il y a... Il y en a 12, mais... Non, mais en gros... Oui, mais ça, pour qu'il passe par là, Baki... Bishop, c'est grave galère, là. Qu'il fasse du off-road de baiser. Ok. Donc, je pense qu'ils sont pas gueulement, ils vont suivre la route. Après, s'ils veulent jouer safe. Mais en gros, là, ils ont rien sur eux. Non, là, ils ont rien. Vous allez juste les suivre. Là, ils vont. Seven, après, essaye de monter dans le Rebla ou dans la Sultan. Ouais. Après, deux voitures qui le poursuivent comme ça, c'est cramé de baiser, hein. Faut être discret, hein, genre mode... En vrai, John, si c'est de ton côté, ben... Il y a une voiture, attends. Je viens avec toi. Oui, vas-y, viens. Si on fait une voiture qui suit, genre, tout le monde qui s'en dessous. Elle s'est arrêtée la caisse. C'est Seven, arrête pas, il reste derrière lui, il sait pas que t'es avec nous. Est-ce que c'est la voiture qui descend ou quoi? Oh, bah t'as une Charmaine qui est là. Ouais, une Charmaine. Tu l'as su ou pas? Elle est partie à droite. Yo! Vas-y. Ça va ou quoi? Ok, toi? Tranquille, hein? Mais ça va pas, la tête, tu m'as niqué le dos là, ça y est, j'ai mal. Excuse-moi, mon ref. C'est pas grave. Arrêtez, écoutez, Baki. Qui fait ma pose ou pas, Baki? C'est pas gâché du tout. Hein. Ah merde. Mais là, il y va, les gars. Je te jure que je te suis à toi. Euh,
nous on est sorti côté autoroute là. Et on va le mais il arrive. Cache-toi quelque part. Il est là, attends. Bon, il vient de passer, si tu peux passer. C'est Cramax, hein, Cramax. Là, Baki, il est pas Cramax, ce soir, parce qu'il rentre chez lui, oui. Hein, mais bon. Nous, après, on va être Cramax. Non, les gars, vous êtes pas Cramax. John, tu peux speeder avec ta caisse. On est derrière, nous. On est sur l'auto. Je passe devant, le rébarque. Oui, vas-y. Passe devant, John, vu que toi, ta sultane, elle va vite. Ouais, mais faut pas que ce soit... Non, mais il sera pas cramé. Pas trop près, hein. Mais c'est pas ça. Mais déjà, il m'a dit, il savait bien faire pour ne pas être cramé. Ouais, si John les poursuit, nous on est pas obligé d'y aller. Hein. Parce que deux voitures noires, ça là, ce sera suspect de baiser. Mais moi, je vais me faire cramer. Hein. Je ferai pas cramer. Vas-y, tout seul, on ralentit. On lance de la base militaire. Chopé vite. Il est un peu ralenti. Vous avez dépassé la base militaire ou pas? Ouais. Vous avez dépassé la base militaire vers, ouais, vers le nord. Moi, là je sors du pont là. Vers le nord ou vers le sud? Dans leur quartier là. Vers le nord ou vers le sud? Il est juste derrière moi. On va vers le sud. D'accord, merci. De toute façon il a pas, il a pas l'équipement. Il sera obligé d'aller chez les gens. Il est disponible. Oui, si tu veux, il y a une bécane. Si tu veux, je peux prendre ma bécane. En vrai, de vrai, ça aurait été bien, une bécane. Moi, j'ai une Charman noire avec un 4x4 noir. De toute façon, là, Baki, tu vas poser ta voiture, vous allez vous mettre en full black, non? Vous avez. Mais le Reblay, il en récupère deux. Je prends la bécane, hein, de bécane. Le Reblay, il en récupère deux et toi, tu prends la moto. Non. Moi, j'ai une Sultan avec un 4x4. C'est que les bécanes, ils sont dans le nord, t'as oublié, John. Ils sont dans le nord. Non, ah, mais non, la tienne, elle est en foyer. Et la mienne, elle est dans le garage, sinon. Ok. Mais sinon, les gars, là, on est en ville, là. On va pas tarder. D'ici peut-être 10 secondes, on est en ville. Moi, j'y suis en ville dans 20 secondes. Ben, nous, tu l'as juste derrière nous. Mais un peu loin, quand même. Il a pris autour de Vespucci. Va tout droit, va tout droit. Autour droit. Il a pris la première sortie à droite. Pont. Ah ouais. Sous le pont ou il va à droite? Attends. Vers le haut ou en bas? Aucune idée. À droite, mais il a pris la première sortie là. Ok. Après là, je sais plus, hein, moi je suis monté. Tu les as rejoints, John, ou pas? Et comment ça, je vous ai rejoints? Tu les as rejoints? Ben non, ils... Je crois qu'ils sont ici, non? Il est devant nous, il est à Vespucci. Mais je sais pas si. Ah, mais. Je pense qu'il est parti au port. Hein. Il est garé devant les ghosts. Hein. Mmh. Il a dit quoi? Indian. T'as dit quoi, John? J'ai dit il y avait une Sherman noire garée devant le pawn shop des gosses. Peut-être que c'était lui. Regarde la plaque, regarde la plaque. Si, je crois que c'était une Sherman noire qui avait devant le pawn shop. Sherman noire. Regarde la plaque, John. Mais donc. Ça voudrait dire qu'il s'est arrêté au pawn shop. Je pense. Je vais prendre juste la bécane, moi. Tu es toujours en visu, John? Attends, stop. Ah, t'es où là? Parce que moi je t'ai suivi en fait. Non. Mais non, je vais où? T'as pris tout droit. Moi je suis au green, je t'ai laissé pour que tu suives la caisse. Non, c'est même pas elle la chambre. Ok, ben. Bon. Il les a perdus. Je sais pas pourquoi tu l'as pas suivi encore. Bah, gros, je pouvais pas le suivre, c'était trop louche là. Ouais, mais bon, là du coup on l'a perdu. Il fallait que tu prennes sa place justement pour regarder. Mais Bishop, c'est ça le truc de base. Mais Bishop, en mode j'étais pas à fond sur l'autoroute là.
pas. Si. Non, j'ai fait exprès de freiner. Comme ça, on l'a pas, le mec. Non, mais sinon, gros, tu vois pas. De toute façon, tu connais son truc. On va traîner vers le port, nous aussi. On va tous aller au port. Attends. Le premier qui voit, Tu pourrais me faire une fourrière en civil, c'est la Shinobi, s'il te plaît. Oh. Là, je me réveille, j'arrive. Vas-y. Tu m'as dit laquelle ? Shinobi, il me semble. Attends. T'as pas de Shinobi ? Ou sinon, j'ai une autre bécane. Bonsoir. Attends, t'en as 10. Kunoichi, ça va, Kunoichi, ça ressemble à Kunoichi, du coup. Qu'est-ce que c'est cette affiche à une poule partie ou quoi? J'ai pas vu. Mais ça sert à rien, j'y suis déjà, donc allez autre part. Mais non, mais c'est pour tourner, wesh, mais John, on va tourner. Ouais. Oui, mais si je... Ouais, c'est ce si quelqu'un voit un truc, bah dit, ça fonde. Toki, attends. Melvin, tu peux prendre Toki ou pas? Je pense que t'as dû bouger de local. Là, c'est quoi là le but? De les retrouver, de les suivre jusqu'à la Transac et l'attendre à la sortie de sa Transac? C'est ça. Okay. La plus compliquée, c'est de le trouver, quoi. C'est un peu ça. Après, ils ont le lot. J'ai essayé de demander au BMF s'ils font dans l'ordre ou pas les lots. C'est toi là avec moi? Salut Mitch. Excuse-moi les boys. Petite question. Excuse-moi, mon gars. Les lots, tu les fais dans l'ordre ou tu les fais comment? Je pense que j'ai votre véhicule. Je vais faire du chargé jusqu'au plus léger. Non, c'est okay. Parce que je profite qu'on soit tous les quatre là en ville pour faire les bails. Et du coup les transacts, enfin, ça va être dans l'ordre après. Non, pas forcément, on donnera des positions différentes. Ok. Et tu sais, ils habitent où les Black Day? Les Black Day, non, je sais pas du tout. Attends, peut-être SKIC, hein. Ah, tu sais, ils habitent tous les Black Day? Ouais. Allez, non, on sait pas mon boy. Okay, pourquoi, il y a un bail? Non, pas du tout. C'est ouais, Baki. Bon. SK, il a dit, tu veux quoi? Ça le fout, va. Oui, moi, je vais les péter, ceux-là. Ah ouais, ouais? C'est passé une dinguerie? Ouais, je les aime pas trop, moi. Ah ouais, quel bail? Ah, Trop long à expliquer. Mon gars, fais-moi un petit son où tu m'expliques tout. Un petit son? Tu me fais un petit son où tu me rappes ça. Ou sinon, tu sais juste si tu peux m'envoyer une petite zone quand tu vas les livrer. Bah après, c'est moi qui donne les pauses, donc chaud. Après ah, tu vas te ramener? Ouais, genre je me mets aux alentours. Vas-y, ouais, vas-y, je t'envoie ça, comme ça tu tires pas, hein. Non, je vais. On oui. Parle. Après, moi je vous laisse faire vos affaires, tu vois, mais je te donne la pause et tout. Non, de toute façon, moi je l'ai tapé à la sortie. Vas-y, gros. Ok, vas-y, mon boy. Le Black D1. Dès que tu peux la transaction de vous, vas-y.
Vas-y, vas-y. Mais il faudra que tu m'expliques le bail un peu plus en détail. Hein. Vas-y, y'a pas de problème. Vas-y. C'est que ça nargue, c'est pour ça. C'est quoi? C'est que ça nargue un peu trop. Ça nargue? Ouais. Ah, ça fait les malins et tout ça à cause par rapport à l'enchère. Non, non, par rapport à avant, avant. Ah, j'ai... Ah, ok. Ouais. Et oui, très, 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 très compliqué. Je t'explique sur, sur la radio des suivants, un de ces quatre. Yes, yes. Vas-y, gros. Mon gars. On s'attrape. Yes. Vas-y. Toujours pas de chairman en vue. Non. Qui doit loger là où ils habitaient les anciens bleus là. Donc t'avais une PF qui nous cassait les couilles. T'as trouvé? Oui, en plus c'est grave pas moi la photo. Allez tranquille. Il est trop con. Il m'a pris en photo. Oh. Oui. C'est pas une Sherman, c'est une Sultan ça. Mais Baki, t'es sûr que tu l'as largué près du... Oui. Ouais d'accord, quand tu dis port, c'est des conteneurs, c'est ça? C'est ça. Après, il avait son stockage, je sais pas s'il a changé ça le truc. Ah, si t'as des infos sur le stockage, on peut envoyer une voiture. Hein. Non mais c'était vers port, mais je suis allé vérifier, mais rien. Je pense qu'on va se positionner vers les sorties hein, du. Vas-y. Du port. J'ai pas fait le truc. La catégorie. Yo. Ouais, mon boy, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Ouais, hey, pour le bail, mon gars. Comme, c'est première, comme c'est première enchère, mon gars, c'est mieux, on fait pas ça tout de suite. Parce que le... Comment on dit ça? Après, tu me donnes du... La réflexion, elle est vite faite, t'as capté? Après, toi, c'est pas, entre guillemets, c'est pas toi qui prévois ça, c'est moi qui attaque le truc. Non, je sais, mais le fait qu'ils sachent, alors que je donne des positions... Je l'ai dit tout à l'heure que je donnais des positions différentes pour tout le monde. Après, c'est que nous, tout à l'heure, on avait une caisse qui le suivait, c'est pour ça. C'est qu'on qu'est-ce a... qui vous suivait tout à l'heure? Non, on le chassait. Il y avait une caisse qui était derrière, c'est juste qu'il a perdu approximativement dans une zone. Ah ok. Ouais mais vaut mieux faire ça après les transacts parce que t'as capté, moi je préfère que tout le monde prenne bien son lot et après vous réglez vos affaires. Oui, non mais c'est ça, pas façon. Par rapport à l'enchère tu vois, parce qu'après c'est mal vu, t'as capté. Je parle pas par rapport à vous, hein, je parle par rapport à nous. Ouais. Ça reste d'être chaud. Vas-y. Mais s'il y a un bail, s'il y a un truc à mettre en place, par exemple on fait un rendez-vous avec eux pour parler d'un truc et tout, là je t'envoie. Ah moi j'ai juste envie de péter leur blanc, moi j'ai envie de que ça. Attends, y'a SK qui s'est retourné comme une merde là. Ok, qu'est-ce qui arrive. Mais je te donnerai une autre case, t'inquiète. Vas-y. Pas tomber mon boy. Vas-y. Vas-y mon gars, on s'attrape. Vas-y.
messieurs. Je sais pas si il faut que je me cale devant pour voir la plaque. J'abuse peut-être un peu de fois là. Poster à la sortie des trucs là. Derrière. Oh putain, c'est pas celle-là. Ah, j'avais une chairman, je pensais que c'était elle, mais c'est pas lui. Et normalement, bah, qui, logiquement, hein, si tu devais sortir, il doit être en mode convoi. Hein. Après, je sais pas si comme je dis, je sais pas s'il a toujours son stockage vers le port. En gros, tu l'as vu tourner dans le port ou c'est une supposition genre ? Non, mais en fait, il avait son stockage dans le port. Peut-être il y a un mois. Mais tu l'as pas vu tourner au port ? Non, mais en fait, moi je l'ai lâché au niveau de la plage. Putain. Je sens que c'est un peu caca. Grave des follow, genre. Ouais, c'est une bacon. Non, mais genre, Misa et moi, on était bien placés, hein. Comme tu nous avais dit de. On avait dit de faire passer John. Ouais. On a laissé. Du tracé quand même, parce qu'en fait, vous aviez de l'avance sur moi. On n'allait pas être deux voitures non plus, tu vois. Mais vu que vous avez de l'avance sur moi, en fait, vous auriez dû vous rester. La voiture était plus rapide. Bon, c'est du ouais. Moi, ils auraient dû essayer de racoler sur eux et après à la limite moi je reprends le truc. C'est quoi ? Vas-y, au calme. Je sais pas c'est qui mais je te ramène dans le cul. Je suis con. Maintenant ils ont changé de véhicule. Skier, mano. Tu veux que je la mette, Armano? Quand on les avait vus la dernière fois, il y a peut-être un. Attends, mois, dis-moi, tu téléphones. Ah, 4x4 tout terrain là, bizarre, il était pas dans la transat. Ouais, c'est Armano. Bah, regarde les photos et dis-nous. On va vous envoyer. Ah, la dinguerie! Parce que le seul 4x4 de ce que j'ai vu, c'était celui des BMF. Attends, mais c'est qui? Après, peut-être qu'ils amènent le lot. C'est quoi ces flaques de merde? Oh là, Armano, qu'est-ce que c'était? Comment ça va, t'es du? Hey, Ju. Ok, il était avec la Sherman. Putain. On confirme. C'est pas Taiju, t'es deux bits. Ryu. Vas-y, Falco. Ça va, Ryu? Attends, on l'a perdu. Vas-y. Je crois pas qu'elle est là. C'était Véron? Je t'en fais la pause.
Non mais y'a rien de grave, je m'amusais. C'est marrant de mettre les gens inconscients, c'est marrant. Non mais c'est mon ami, c'est mon ami. Vraiment c'est mon ami. Ryu, tu peux dire que je suis ton ami? Viens là, viens là. Mais j'ai dit super mal. Allez. Non mais je suis ton ami, Ryu. Ah bah attendez, Ryu. Vous êtes qui, monsieur? Ryu, fais pas genre Ryu, s'il te plaît. Vous êtes qui? Mais je sais pas qui, arrête de mytho. Oui, non, mais t'as pas. Ok, vas-y. Et voilà, en plus, il prend un mot, bah, toi. Tu démarres ta SPD. Ah, comment ça va? Mais bon, par contre, le truc que t'as fait, non. Ça se fait pas, non, désolé. Ça fait comme moi, ça, t'es mon pote et tu te mets un coup de matraque derrière la nuque. Ah, mais c'est mon pote. Bah, non. Vas-y, on t'attend. Yo, tu peux m'emmener ma moto, s'il te plaît? J'ai perdu ta moto, gros, elle est dans le froid. Non. Mais si. Putain. Ça t'apprendra de des coups de pied, petit con. Petit con. Vas-y, Ryu, je vais te laisser. Allez, là, ta moto. Vas-y. Comment ça te pili? Vas-y, Ryu. Mais ça va ou quoi? Oui, je me fais un peu, tu me dis même pas bonjour. Bah si, ça va très très bien. Vous l'avez. Les gars. Mais MDRF, faut vite changer de pause. Hein. Vous l'avez, les gars? Bah, oui, on te. Wesh, t'abuses, t'es pas radio hein, pendant ce genre de truc. Hein. Bah, non, on est tombé sur une cargaison là. On sait pas si elle est remplie ou pas. C'est les tigres là-bas qui. Mais on s'en fout, les tigres ils ont pris des trucs ou pas? Oui, ils ont pris. Ils ont bah pris. Voilà, qu'est-ce qu'on sent pas les couilles que ce soit pas la BMF? Ferme ta gueule, fils de pute, je dis juste que c'est les tigres arrête et pas les placards. Arrête d'insulter, arrête d'insulter. Les couilles. Qui l'a insulté? C'est John? John, c'est John, tu vas faire quoi? Wesh, qu'est-ce qui arrive là? Wesh, tranquille, wesh. Pas sûr qu'il sort. C'est toujours le même. Vous êtes dans le monde tigre. Oh là, hey, tu casses les couilles, John. Ouais, je sais. Bah, je te gars, c'est bon. Juste en fait, faut dire ce qu'on fait. C'est pas. On peut le suivre, hein. Attendez, il est solo. Après, il était dans un lieu de transac ou pas du tout? Non, c'est pas. Ah, ils étaient venus en mode de transac, ils étaient plusieurs, etc. Tu vois, c'était en mode. Après, si tu vois la BMF. Si tu vois la BMF, gros, tu nous dis. Mais faudrait une moto là, je te jure, une moto ça aurait été moins cramé. Parce que deux voitures qui tournent comme ça, c'est cramé de baiser. Droit tout au fond, hein. Enfin, il était tout droit tout au fond. Vas-y, j'arrive. Ouais. Passons là, tu bloques là. Laisse conduire, s'il te plaît, laisse conduire. Je sais, il est où. Vas-y. Vous êtes dans l'ordre du coup là? Vas-y, on envoie des motos, s'il vous plaît. C'est un QG là? Oh merde. Eh, si on avait une moto là, ça aurait été parfait. J'arrive en bécane. Ok, bah faudrait que tu viennes guetter. Ouais. Et tu verras, normalement les lions ils sont. Je sais pas s'ils ont pris quelque chose. Frère, ça c'est toi qui dois nous dire, hein, parce que je les ai vus en mode cargaison. Hein. Ils sont droit devant. Ouais, les gars. C'est eux ou pas? De Seven. Un peu out, je suis en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive. Mais on en a besoin, hein. On a besoin de la voiture. Si vous me cherchez, je suis en train de me divertir au tequila. Non, c'est pas tequila, c'est tequila ou je sais pas quoi là. Un truc à la plage. Ah, tout qui t'abuse là, on fait des bails sombres et toi t'es là. John est parti bouder. Je suis en train de travailler là, je bosse. John, vraiment, si t'es parti aller bouder, gros, ça va bombarder sur toi. Qui boude? John, là, ça y est. Il a laissé la voiture et il est parti. Il est parti dormir? Je dois aller faire un truc. Ouais. Bon, je me taille, là, par contre.
C'est des cool. Radio Bishop. En fait, là, il nous faudrait vraiment une bécane. Je suis là. Confirmé, parce qu'on est cramé de baiser. Là, dans 500 mètres. Ils ont déjà repéré du coup. Ouais, va tout au fond, ils sont allés tout au fond. Tu sais ce que tu fais, Ice, essaye de tourner un peu pour voir si tu les revois, tu vois. Ils sont en train de faire, les gars? Ben, non, merde, qu'est-ce que je dis? Maki? Ouais. Avec Fred, il passe le bonjour. Ah bah, moi aussi j'ai passé le bonjour. Il dit lui aussi de passer le bonjour. Les gars, envoie-moi la poste parce que je suis dans le port là. Ah bah, en fait, c'est quelque part par là, tu vois. Faut juste tourner un peu pour les retrouver, mais voilà. Mais ils ont des véhicules grave reconnaissables. Hein. Mais eux, c'est le cercle, non? Déjà, mais... Ouais, c'est eux. Après, où ils sont? Mais ils nous ont cramé, il y a une voiture qui nous a cramé. Hein. Oh, tu m'as fait peur, gros. Non, mais là, on les a perdus, faut revenir. Parce qu'ils nous avaient cramé, mais... Putain, j'ai de mort. Ouais, là. On a un peu les péter, hein, mais y'avait pas... On sait pas si les trucs étaient pleins ou pas. Carman, ici, là. Aïe. T'es touché? Ouais, mais c'est pas... T'inquiète. Là, y'a une Charman ici, hein. Attends, je vais voir la peau. Charman, c'est pas la bonne. Non, putain. On a déjà check. Oh, c'est pas la bonne. Radio. Ouais. T'as une pause, Seven? Ouais. Je l'ai. Qui c'est que ça? On va prendre une pause. Tu peux la follow discrètement ou pas? Ah, mais c'est toi, voiture rouge. Qui dit voiture rouge? Une idée. Ouais. Non, vas-y, laisse tomber, il t'a pas. C'est là-bas qu'ils sont? Ouais. Ils ont roulé? Pourquoi je vous ai touché? T'as un moteur. T'as pas de moteur. Ils ont roulé, les gars? On est down, la voiture est pétée. Tu fais un moteur? Ouais, t'as un moteur ou pas? Ouais, il faut un moteur. Ouais. Je t'envoie la pause. C'est la voiture rouge, c'est ça? Non, nous c'est Rebla noir. Non, mais que vous chassez là, non? C'est quoi? Non, mais on est en train de tourner. Mais... C'est la. T'es moteur aussi. Et le 4x4 il est rentré à l'intérieur, c'est ça? Ils étaient rentrés par là, ouais. Dis-moi, Seven. Oui, il faut venir vite parce que le véhicule là, j'ai entendu à la dernière seconde que le véhicule était mort, donc il faut vite venir. Comment ça va mourir? Mais t'es pas sur le groupe? Mais je t'ai envoyé dans le truc. Dans le groupe. Mais non, on est sur la page. À part si je suis aveugle, attends. Vas-y, je rentre. C'est toi, voiture rouge? Ouais. Mais Seven, il faut péter... Vous cassez les couilles... votre véhicule, là. Tu vois le véhicule qui est passé? C'est pas celui-là? Mais non, c'est la Sultane. Mais vas-y, c'est Sultane, à vous, c'est la même chose, à vous. Pourquoi regarde plaque noire, à vous? Ouais, mais toi... En gros, là, on cherchait des mecs... Là, c'était jaune, un peu... Un jaune spécial, là. Des gros 4x4. On les avait, putain, chier. Bon, en vrai, les frères, Hugo se split, hein. J'ai trouvé des enfants. Hein. C'est rien qu'on reste ensemble, là.
ok. Monsieur Denis, petite question. Tu connais le QG des Black Day ou pas? Black Day, ouais. Tu pourrais m'envoyer la poste, s'il te plaît? QG, tu veux la poste du QG? C'est ça, ou leur stockage, je sais pas ce que t'as comme poste. Stockage, ouais. Stockage, je l'ai. Après, QG, j'ai pas. Hein. Bah, stockage alors. Vas-y, je t'envoie ça. Vas-y. J'ai demandé à la warine, ils ont leur... Ok, j'envoie la pause, Baki, suis le véhicule. Vas-y. Ok, il est sorti niveau pont, là. Il est sur le pont. Attends, avance, je prends une pause. C'est quoi comme caisse? C'est pas tout le monde, hein, c'est juste Baki, vas-y. Sinon, c'est cramé. Mais de loin. Il nous devance, hein. Vas-y. Il est... Je suis à un kilomètre. Tu sors... Rodolphe. Sur cette route-là. Il court, tourne à côté Vagos là. Moi j'ai un rompo, c'est pas lui non? C'est une sorte de 4x4, c'est pas un rompo. Vagos. Envoie une pause. Je sais pas, t'as tout bon. Je t'en vais. Je sais pas frère. On a perdu, mais il bombarde de baiser. Oh, c'est la BMF les gars. Oui bah justement. BMF qui dit BMF dit. Tronac. Bah, les gars, venez tous à mon point. Je veux tout. Derrière. Gauche. On est là, y'a quoi? Je te rappelle plus tard. Ah. On est là, bah, qu'il y a personne. Attends, je sais pas, il est passé où? J'avais la caisse des BMF. On a rien pour les BMF. Après, pour les BMF, faut que ce soit toi qui la follow, genre. Ouais, mais on a rien contre les BMF. Moi je les ai vus, les BMF, attends. J'ai même parlé avec eux. Hein. Non, okay. Mais c'est pas parce qu'on a un truc contre eux, t'as rien suivi. On a rien contre eux. En fait, c'est juste qu'en fait, ils vont faire une transaction, d'accord? Et nous on va péter. On va péter la les gars, je vais faire un truc urgent de fou. Vas-y. Vous êtes à quel niveau là? Moi je suis en haut des Marabunta. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup? Pas grand chose. On était en train de suivre les BMF, mais on nous a perdu. Je vais t'envoyer une pause. Attends, d'abord je vais voir. C'est qu'en fait il m'a envoyé. Tu connais le stockage des Black Day? Non, oui, enfin ceux à l'ancienne. Ouais, mais je pense que ça a pas dû changer parce que j'ai demandé à Danny et il m'a envoyé la même pause. Est-ce que tu pourrais rester là-bas ou pas? Je pense qu'il va envoyer une pause où là? Ah non, il y a pas de poste là. J'ai demandé à John qu'il aille. Je prends quoi? Je prends mon quad? Ouais, prends ton quad en vrai. Ouais, je vais surveiller au port. C'est ça. Vas-y.
Ouais. T'as dit quoi, Ice? Ok, il est devant chez lui avec sa Charman. Devant leur stockage bloqué. Ok, ok. Vas-y, carré. Vas-y, envoie une pause. Ah, faudrait que ce soit... Non, mais il faut pas qu'on soit tous là-bas, c'est trop cramé. Faut que Bucky... Il est vraiment seul. Là, je peux le PO moi seul. Ouais, c'est que là, ça sert à rien, mais... T'es où, là? Moi, je vais juste réparer... Je vais réparer la bécane, vu qu'elle est low de où. N'oubliez pas, le truc, c'est... Faut juste les sûrs, hein, la BMF. Hein. Ouais. On a pas de biche contre eux. Mais y'a pas la BMF, là, y'a juste... Non, c'est le bug day, c'est le bug day. Le pélo seul avec sa charmade. Bah, suis-le, bon, suis-le. Non, de toute façon, il faut le suivre, moi, je suis pas sur place. De toute façon, dans tous les gars, il va me passer on fait un... Comment on vient ou pas? Non, il y a une jeune qui va le suivre. Il y a une jeune qui va le suivre. Juste pour avoir le lieu de la pause. Hein. Là, c'est pas en mode on les pète, hein, les frères. C'est juste oui, en fait, on va les taper dès qu'ils récupèrent la transac. Ah, je me suis calé sur le côté de l'autoroute, là, où c'est qu'on voit pas trop. Je ne suis allé sur un, moi je vais réparer la caisse et... On va être chaud devant chez lui. Hein. Vas-y. Et c'est ce qu'on dirait, il attend un truc. Bah okay, il attend la pause. On a un membre de la BMF côté Rancho. Il est en train de faire une transac? Ok. Ah merde, j'ai ton quad, Bucky. C'est toi en quad. Oui. Par contre, tu vas la perdre, elle trace. Hein. La Sherman? Oui, bah oui, la Sherman, vous elle trace avec ta... Après, il y a la Sultan. Hein. C'est qui est passé sur le pont, là? C'est pas moi. Yo, chef, tu peux me faire une compétence C'est le mec des gens chers, BMF. Tu peux me faire une compétence? Oui, je les vois. Conforama, là, maintenant. Okay. Ok, il a tourné à droite, côté là où j'habite, là où ouais, c'est le coco là. Il y a un mec des BMF aussi qui... Ok, il est revenu, quoi faire Ballas. Il va en direction, comment on appelle ça? Rancho, okay. Direction Vagos. Il peut y avoir, il faut qu'il ait la moto dessus, ça aurait été bien là. Je suis en train de réparer la bécane, c'est cool. Au mec là. Shafter noir. Hein. Baggy, moi il y a un 4x4 sur la Sherman, c'est un DBMF aussi. Mais ça veut dire qu'ils vont faire la transac. Ouais. Mais du coup il fait la transac chez lui quoi. Non, par contre ça se fait pas. Tu peux me faire une compète s'il te plaît? Juste le moteur. J'arrive quoi, je termine la bouche. Juste le moteur. Putain. Ouais, juste le moteur, si tu peux speeder s'il te plaît. Il embrasse tout le monde. Il a fait un call radio à la BMF donc il a dû me voir. Bien abîmé hein. Et vous êtes combien côté Jeanne? Vous êtes que deux? Ouais, moi je suis avec... Et côté Bishop? C'est bon, chef? C'est nickel. École radio, le BMS, donc... Pas trop en confiance. Good. Nickel. Bishop, t'as une Sherman ouais. Devant toi ou pas du tout? Non, on n'a pas pu la suivre, c'était cramé, il nous a parlé et tout. Mais elle est sûrement la Sherman. Ok. Sherman avec, normalement il y a un BMF dedans. Hein. Ouais, moi il y a une Sherman avec un 4x4 avec un BMF dedans. Ok, bah c'est ça, bah faut le follow. Il faut vraiment que tu te mettes dessus, Bucky. Hein. Oh là là. Oui, t'inquiète. Tu te mets dessus parce que nous on est trop cramé. Hein. Non mais ils sont à l'arrêt. Hein. Ah ouais, mais là, ils doivent faire la transac là. Ah tu penses? Ok, on va la pause, on va se mettre à côté. C'est la pause où j'avais envoyé. Parce qu'en gros c'est vraiment là, c'est leur stockage. Oh je t'envoie la pause et tu viens devant moi comme ça on y va. C'est leur stockage donc viens à la dernière pause que je t'envoie. Viens à la dernière pause que je t'envoie. Vas-y. C'est bon. On
en route. On est là dans 700 mètres. Moi, je suis là dans pas à, à droite de toi quand tu viens. Tu montes pas, genre tu passes à droite. Pour l'instant, je vois pas très bien, mais je crois qu'ils font pas de transac pour l'instant. Genre personne a fouillé dans les coffres ou quoi. Qui est passé en moto? C'est bon, c'est moi. Je sais pas qui, je suis au niveau des trains. Vas-y. Je prends juste mon pet. Je vais faire le tour de l'autre côté. Ok, on est 4. Est-ce que tu veux que je monte avec toi ou pas, vu que ça fait peut-être trop de véhicules? Non, t'inquiète. Parce que ouais, ils faisaient des calls radio. Moi je suis du côté les gars. Les gars, commencez à vous mettre à pas trop loin. Je sais pas s'ils vont lui donner un truc après il se casse ou est-ce qu'il va direct mettre, je sais pas. J'ai aucune idée, mais je vous dis. C'est leur stockage. Je vous dis, les gars, dès que vous voyez une caisse suspecte ou dès que l'autre il commence à fouiller, on attaque. On est dans la pose de ice. On reste pose ice ou pas? Là, tu vas nous cramer là. Vous savez qu'il y a des BMF qui sont tout à l'entrée là-bas. Ok, le 4x4 il bouge, le 4x4 il bouge. Sur la route là. Non, mais faut que tu partes, Le 4x4 il bouge. Tu vas nous cramer là. Le 4x4 il bouge, mais la Sherman, ouais, la Sherman reste au même endroit, les gars. Moi je vais t'y prendre le 4x4, tu penses, non? Oh, en tout cas, vraiment, faut que tu retournes au quartier, frérot, je te jure. Là. Au pire, change de. Parce que la voiture bleue là, dans ce genre de truc là. Non, non, je change de caisse, Tookis. Mais les gars, le 4x4, vous vous en battez quoi? C'est plein ou pas? C'est Speedo? Ah, mais est-ce que c'est pas un. Vas-y. C'est pas un Speedo, les gars, vas-y, tranquille. Ok, vas-y, bombarde. Putain, la tête de ma mère. On les suit? Non, là. C'est pas un Speedo. Et c'est pas qu'il y a 8 gars là qui veulent sa marchandise. Je comprends pas, on suit qui là? Je pense pas qu'il ait grand chose, hein. Je pense qu'il aura Les gars, passons par message, les gars, j'ai écrit les loins. Je crois qu'il a 3 pets ou un bail comme ça. C'est qui les mecs arrêtés sur la route là? C'est nous. Qui répare une voiture, c'est vous là? Ouais, c'est nous. Attendez, je monte avec vous. Comment c'est les gars? Je sais pas si. Ok, vas-y, conduis. Parce que j'ai des problèmes un peu. Le 4x4, il y a deux 4x4, il y a deux 4x4 sur la chambre. Les gars, 4x4 plus une voiture noire, les gars. Les gars, vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts à attaquer? Ils se sont mis le cul, ils se sont mis le cul. Vas-y, go. Rébla. Spice. Tout quitte au masque. Exactement. Vers la portière. Mais là ils ont pas fait dans la coffre, ils discutent. Ils sont genre 4. Vas-y les gars, vous êtes prêts? Allez, speed. Speed. Prépare à sortir. Vas-y. Speed. Attends. Ils font quoi, jeune? On les attend à la sortie. Non, ils sont en train de tout vider, les gars. Mais on voit une
pose exacte, moi je sais pas où vous êtes. Vas-y, go, on y va. Il y a 3 BMF et un mec des Black DJ. Vas-y, on y va. Comment ils ont pas ils ont pas fait de transac. Hein. Oui, pas grave, ils sont dans les caches. Touki, t'as mis ton masque. Vas-y. Touki, c'est cramé. Les gars, vous êtes où? Vous êtes où? Je suis masqué, les gars, je suis masqué. Ouais, mais bon. Les gars, vous êtes où? On est là dans 300 mètres. John, t'es prêt? Ouais, bon, mais là, on est là. Vas-y, bon, masse. Go. Derrière, les gars. Oui, arrête. Mais Vorta, t'es le seul. C'est qui là? Arrête-toi. Barrément, on peut rien faire, il est en otage. Putain, mais. Oh là là, mais pourquoi t'as l'air tout seul? Mais non, Baki. Mais non, c'est vous! Remets ton casque là. Aïe. Oh, Baki! Putain, merde. Vraiment, Baki, non. Vas-y, avance là. Oh là là. Mais c'est impressionnant, je le sens. T'es vraiment mon con. Oh, le poteau. Attends, on en rajoute pas, mon gars, t'inquiète. Attends, faites ce que vous avez à faire. Reste sur le côté, on va finir. Viens ici. Ouais, dis-moi. C'est quoi ton délire, Bucky, là? À ton avis? Ouais, mais... Moi je l'avais déjà dit, SK, hein. Moi, je lui ai dit, passe pas de ça ici, hein. Ah, je suis très bien, j'ai aucune pause, hein. Bah ouais, j'ai vu où t'en as mis tout à l'heure. J'ai vu. Et voilà. C'est qui la caisse noire, là, en robe, là? C'est qui, eux? C'est que mes gars, là. C'est tous tes gars, là? C'est ça. Vous êtes payé une? Ouais, deux. Vous êtes deux, parce que quand j'ai demandé à tes gars, parce que le mec en jugular, le mec en... comment il s'appelle? Go partir. En robe là, je l'ai croisé, je lui ai demandé, ouais, vous êtes qui? Il m'a dit, ouais, non, on est une PFUN. Lamar, va, donne le truc que t'as sur toi encore. On a filé. Ouais, t'inquiète, vas-y, regarde par là. Baki, pourquoi Baki? Il faut bien, on est des bandits. Vous allez pas nous péter, nous? Ah non. T'as voulu péter qui? À ton avis. Ah ah, moi mon boy. Ah oui. Ah t'inquiète. Vous avez le droit de livrer comme ça au stockage? Oui. Ah bon? Dès que c'est pas dans un QG, on a le droit de livrer au stockage. Mon gars, Baki. Je pensais que c'était à 500 mètres pour un bail comme ça. Non, ah là là t'as là fait là une là. Erreur, mon pote. Comment ça, j'ai fait une erreur? T'inquiète. C'est parfait pour nous, Mitch? Ah ouais, c'est bon, c'est fini. Mais mon gars, je t'avais dit pourquoi. Oui, normalement, c'est 500 mètres, quoi. Au moins, attends. Non, mais là, vous êtes en train de vider ou. On sait pas. On vient à peine d'arriver. Parce qu'il y a trop de monde qui tournait et tout ça. Mais c'est votre stockage ici ou c'est ce stockage? Ah bah voilà, c'est pour ça. Au moins, t'as l'info, mais. Non, mais c'est qu'ils font une transaction. Après, tu prends des photos et tu repasses. Même plus. Et tu le répètes plus tard quand il y a une plus grosse marchandise. Exactement. T'aurais pu surtout t'aurais pu soulever son entrepôt parce que t'as toutes les preuves. Non mais c'est très photos, très compliqué à péter un... Il y a trop de trucs qu'il faut demander et ça on peut pas. Ouais, non mais il faut... En fait si t'arrives à prendre une photo et lui qui rentre... Il faut une transaction et je pensais que c'était... Je pensais que c'était au-delà de 500 mètres que tu peux faire la transaction mais ils l'ont livré directement chez eux. C'est très bien que ça va rentrer. Je sais pas. Et là on peut pas te laisser faire le bain, on est obligé de te stopper et tout ça parce que sinon c'est pas... La crédibilité. En fait, ils ont fait une enchère et du coup, le gars qui habite ici, il a gagné l'enchère et eux, ils le déposent directement à leur stockage. Bon, attends, on va faire un bail. Vas-y. On va faire Blair, on va s'occuper de toi, on te PO. Vas-y. On va t'emmener, on va régler le problème, et on va te lâcher à ton checks. Vas-y. C'est bon. Ou sinon, je prends ma bécane. Hein. Non, on laisse. C'est pas crédible sinon. Mais oui, Baki, quand même. J'aurais tenté, hein. Oui, bah t'aurais tenté. J'aurais tenté. Mais c'est qu'ils n'étaient pas coordonnés, mes gars. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ouais, bah... En fait, le Rebla, j'ai dit... Bon. Mais moi, j'avais une petite instance que c'était toi, c'était sûr. Tu parlais pas, j'ai dit bon. Bah oui. Tu veux que ça soit qui d'autre qui... Après, moi, si t'aurais parlé avec ton cas, je t'aurais pas reconnu, tu vois. Normal. Oui. Pas grave, j'ai tenté. Ouais. C'est good pour nous? Ouais. J'ai tenté, mais...
Après, je t'en mens pas, vous avez un peu mal joué votre coup, hein, parce que le 4-4, il a joke un peu. Hein. Ouais, mais il est tombé. Ils étaient pas prêts ou quoi? Non, ils étaient même pas prêts. Si les gars, préparez-vous, dans 20-30 secondes, on va attaquer. Ouais, mais il a choke le 4-4. Parce que le 4-4 serait arrivé. Et il aurait marqué, je pense, ça serait fait. Ouais, bah ouais. L'inversement des rôles. Bah oui. Mais vu que toi, t'étais tout seul, le mec sur ça, sur son blazer en train de nous braquer, bah. Ouais, c'est limite quoi. Ouais, c'est limite, et toi, t'étais tout seul debout là, donc. Voilà quoi. Tant mieux, j'ai essayé, hein, c'est pas grave. J'attendrai la prochaine. J'attends mon tour, les gars. Du coup, c'est toi qui tournais au port? Ouais, c'est lui. Ah oui, les gars. Salut, c'est gars. Hein. On a retourné toute la ville, les gars. Ah, vous les cherchez en fait? Bah oui, on voulait péter la transaction. Vous cherchez nous pour aller à eux ou... Non, mais en fait, nous on avait déjà son stockage à lui. Ah, vous avez un stockage. C'est ça, et du coup, bah nous je pensais que t'allais faire une transaction genre un peu plus loin ou un bail comme ça. Bah, moi c'est ce que je me suis dit, moi je savais pas que c'était ici, moi perso. Coup, allez, bah... Je savais que c'était ici, mais je savais pas que son local était là quoi. Vas-y, on va y aller. C'est bon, okay. Let's go, tu vas monter avec nous, tu montes dans la caisse, dans le... Voilà, shaft. T'as compris. Ouais, shaft, oh. Monte dans la shaft. Il est où? Disparu. Le poteau. Attention, il est où? Il a disparu. Ça va ou quoi, Baki? Tranquillement, et toi, mon gars? Bah, je le prends avec moi. Ouais, ça va, et toi, tranquille? Tranquille. Ça se passe, ton petit groupe? Moi, tranquille. Hein. Tant mieux, alors. Je cope de lui? Ouais, t'inquiète. Non, les gars, laissez-moi tranquille. Ouais, négro, t'abuses. C'est quoi ces bails? Ah, bah, on est des bandits, hein. On est pas des petits orgas comme vous, les gars. Ouais, je sais. Bah, en fait, le truc, c'est que si j'ai bien compris, en gros, même si le lol était pour eux, que tu voulais braquer eux, en tous les cas, tu nous auras braqué nous, tu vois. On est bien obligé, qu'est-ce que tu veux? Okay. C'est que moi je pensais qu'il allait ramener son truc, son speedo. Et... Bah non, parce que je pense qu'il est tout seul, t'as vu qu'il était tout seul. Ouais. Mais Non, ils étaient 2-3 là, tout à l'heure là. Ouais, tout à l'heure. Mais après lui, il était solo là. Solo. Il y avait pas. Je pense qu'il avait qui avec lui? Des meufs? Une meuf? Deux? Aucune idée, mais il y avait juste ceux qui étaient 3. Après qui? Très bonne question. Ouais. Bien. Mais voilà, c'est franchement un peu déçu. Hein. On n'était pas coordonnés, qu'est-ce que tu voulais des bandits, hein, et c'est pas trop notre truc d'être bien organisé. Oh ouais, je connais, hein, c'est la rue. Hein. Ah, c'est la rue, voilà. Bah ouais. C'est quoi l'embrouille avec eux en fait? Ils nous ont braqué, parlé mal, c'est quoi les boys? C'est qu'ils nous travaillent. Ils vous travaillent, c'est-à-dire qu'ils. Ils nous narguent. C'est surtout lui, là, il me narque trop, je l'aime pas lui. En gros, ouais, en gros, il fait trop. C'est derrière mon quartier. Il fait trop le mec, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je t'ai mis le point directement à mon quartier. Toi, tu l'as acheté à combien la V-Shirt? La V-Shirt? La Shafter? Ouais, 200? Ouais, je l'ai acheté à. Attends, je l'ai acheté à combien ou je monte à combien? Non, tu l'as acheté à combien? 250. Ah ouais. Ouais, c'est. Il est bon le prix. C'est vrai. C'était un gars qui voulait s'en débarrasser au plus vite et comme c'était. Bah, moi je le connaissais pas. Hein. Il connaissait. Attends, il connaissait qui? Il connaissait Bobby. Je sais pas si tu connaissais Bobby à l'ancienne. Bobby, oui, ça me vient ouais. Un truc. Du coup, il connaissait Bobby et vu qu'il me connaissait moi. Bah, du coup, en gros, je l'ai fait. Bah, je lui dis, ouais. On a intéressé tout ça. Il m'a dit, ouais, pour vous, je la laisse à 250, je let's go. C'est bon, j'ai remonté, vas-y. Voilà. Bah, merci beaucoup, Lamar. Bah, écoute, avec plaisir. Mais. Bah, je pense qu'on va en rediscuter. Hein. Ah, business, bon, 5, moi... qu'est-ce que tu veux? Ouais, business. Je sais. Après, moi, je suis pas trop content. Hein. Normal, hein, c'est. Tu fais une transaction et je t'attaque, c'est normal. Bah ouais. Parce qu'imaginons. Allez. T'aurais réussi à avoir le. Allez, ce que tu veux. Mais en gros, tu t'attaques à nous. Et là, on va dire que tu t'es attaqué à nous, quoi. Si je peux me permettre. Parce que c'est un peu le cas. Ah oui. En fait, sens inverse.
Ça sera pareil aussi pour toi, hein. T'aurais compris les bails. Comme ce que je t'ai dit, je pensais qu'il allait ramener son truc et on allait braquer, mais vous avez tout directement ramené à son... Bah ouais, mais non, mais t'inquiète, moi je suis pas cordat avec ça, hein. Ouais. Je suis pas cordat avec ça, ce qu'ils ont fait, parce que moi je savais pas que c'était ici. Moi je pensais que c'était un point de rendez-vous. Moi je pensais pas que c'était un lieu... C'était où il y a son stockage. Mais vous savez que c'était son stockage, c'est ça? C'est ça, nous on avait déjà l'info que c'était son stockage. Bah mon gars, tu sais que tu peux t'attaquer au stockage, non? Ouais, mais si... il faut trop d'infos, c'est... Ah, c'est galère. Ouais, il faut faire un gros CV, je crois. Ah ouais, faut un CV carrément. Ouais, il faut remplir pas mal de documents, pas mal de photos. Ah ouais. Et des trucs comme ça. Ouais, t'as pas mal de choses à faire. Ah ouais, ouais, ouais. Je vois. Yo! Vas-y, lève les mains. Vas-y, Almano, lève les mains. T'as vu, t'es dans mon quartier, la mare, tais-toi maintenant. Écoute-moi bien, la prochaine fois que t'es touché un de mes gars, j'attends que le CB compris, mon ami. Ouais, y'a rien. Ah, vas-y, attends. Alors, je vais te fouiller. Ouais, c'est ça, c'est pas ce qu'il me dit. Comment ça, c'est pas ce qu'il te dit? Vas-y, viens sur moi, tranquillou. Viens. Viens. J'ai eu quoi, ça? Vas-y, ouais, retourne-toi, lève les mains. Lève les mains, non? Perfect. Ding. Ok, coma. Non. Voir un peu ce que t'as intéressant. Les radios, vous êtes où? Y'a rien du tout. Et chez nous, pourquoi? Dis-moi, c'est quoi ça? Mais moi, je suis de l'autre côté, les gars. Là où il s'est fait choper. J'ai tout vu. Hein. T'as cherché? Ils veulent une rançon ou pas? Non. Mais. Hein? Je suis là où le truc il s'est fait choper, Medusa. Et toi? Je suis sur le terrain. Ouais. Bah, bien sûr que je suis sur le terrain. On est plus en tenue, hein. T'étais sur le terrain? Oui. Bien sûr que je suis allé sur le terrain. On t'a pas trop vu, hein. Ah bon? Ah, pourtant. Tu peux pas me louper. Tu sais que tu touches à mes gars? T'as le courant? Est-ce que t'as le courant? On est intouchable. T'as dit quoi? T'es au courant? Tu touches à mes gars? Mes petits potes RG? Attends. Si, un tes gars nous touche à nous avant qu'on le touche, on fait comment? Ah, ça c'est pas bon. Mes gars, on doit te toucher, mais toi tu touches pas mes gars par contre. Bah écoute, moi sur ce courant, on a été gentil, on a redéposé ton gars. Hein. Si on voulait. Sans voler, t'aurais rien fait, t'inquiète pas, que si j'aurais voulu, tu serais déjà parti. Comment? Si j'ai envie, tu pars déjà, t'inquiète pas. Ok. Tu vois ce que j'ai dans les mains? Ouais, je vois. C'est parce que j'ai pas l'impression que tu penses que c'est faux. Non, du tout. Fais un test. Tu veux jeter tes dessus? Non, essaye sur un de tes gars pour voir. Non, je te passe un mec à mon ami. Non, parce que... Ça, c'est un test pour voir si c'est... T'inquiète pas, si tu veux, je te tire dessus, tu verras que c'est pas faux, tu vois. Non, mais j'ai jamais dit que c'est faux. Tu peux faire quoi? Le pied droit, le pied gauche, la main gauche, la tête. Non, ça va aller, hein. Bon, bref, moi, je te dis un petit truc. Ouais, dis-moi. La prochaine fois que je vous vois faire une petite transaction, là où le monsieur la boute, tout le butin, je le récupère, c'est bien? Bah, écoutez, faut le récupérer, hein. T'as compris? Ouais, c'est compris, t'inquiète. Parfait. Parce que sinon, je vous baise. Là, des petits cons. What the fuck? C'est ça que tu fais, Baki. Okay. Non, mais t'inquiète, c'est noté. Tu noteras rien, fais ta gueule, petit con. Ah, bon, des petits pédés là, vous faites de la merde. Là. En plus, on a eu un vote il y a même pas 2 heures, vous faites déjà de la merde. Comme ça, on fait de la merde. Ah ouais, vous faites des 3 actes, vous livrez carrément au bec chez le mec. Mais, non, comme... mais... Attends. Vu Baki, il peut constater les choses et j'étais pas au courant. Je lui ai même dit que j'étais pas d'accord avec ça. Ah, fait, non, mais comme Baki, j'ai dit... Baki, je l'ai pas dit. Faites attention sur ça, les brothers. Bah oui, mais non, mais totalement, c'est ce que je vais leur dire, parce que moi, sinon, j'étais pas au courant. Moi, je pensais que c'était un vrai rendez-vous. Si Baki voulait les péter, bah là, c'est du winner peur, qu'il aurait pu les péter ailleurs, tu vois. Non, mais je sais, tout à fait. Non, mais t'inquiète. Est-ce que t'as stressé quand tu m'as mis avec Monaka? Est-ce que t'as vraiment... Adrénaline. Parce qu'en soi, c'est quand même méga, hein. Donc bon, après... Ouais, c'est méga. C'est mes petits protégés, tu vois. C'est ma PF protégée, tu vois. Ouais, mes petits chouchous. Ils travaillent pour moi, tu vois. Les BMF. En plus, les BMF, je crois que j'ai votre numéro de téléphone. Ouais, possible. Ouais, c'est vrai, je l'ai. Je l'ai, là. T'as qui? Pas, attends, j'ai... Je vais voir un peu. T'appelles? Moi je prends mon petit café. BMF, moi j'appelle. Ah, c'est pas moi en tout cas. Oui, allô.
C'est bien la BMF. Ouais. En vrai. Ok, je vous prends note, j'essaie d'appeler un de vos. Tu vois qu'on passe un truc, un accord avec la BMF, ils nous disent où sont les autres. Non, y a pas d'alliance. Non. Je l'ai en otage devant moi là. Ça, c'est pas une alliance, c'est juste une enfant. Non, mais c'est considéré comme une alliance. Je voudrais une petite rançon, s'il vous plaît. C'est un gradé ? Ouais. J'aime bien, je l'ai trollé un peu, on veut pas. Ouais. Est-ce que c'est un gradé ? Oui. T'as un gradé, Lamar ? Oui. Ok, je veux 4 500 $, s'il te plaît. Quoi ? T'en fais pas, tu verras au moment venu. C'est le primero commando, mon ami. Parle radio, s'il te plaît. Ah oui, c'est bon. Il est rare. Ouais, du fausse alerte, hein. Fais la radio quand même. Ouais, les gars, fausse alerte, y'a rien. Ah, bref, faites attention sur ça, on a passé un petit rappel, c'est comme pour tout le monde, quoi. Oh, non, t'inquiète. Faites jouer les choses. Ouais, bah ouais. Bah allez, vas-y. Bonne nuit. Merci, sauveur. Spider-Man. Attends. Ouais. Ouais, du coup, Au revoir. Je veux un avion de chasse, s'il te plaît. Non, les gars, y'a fausse alerte, y'a rien. T'as encore des transactions? C'est pour un ami. Bah qui, c'est passé quoi du coup? J'ai envoyé la pause, venez à la pause. Et c'est passé quoi du coup? On n'a pas suivi, c'était de la merde, là je suis le seum, je suis un peu en colère. Là. Après, ils sont pas en colère pour ça, Togi. Ouais. Venez à la pause. Bah, est-ce qu'il est à la pause? Non mais t'inquiète, John, c'est Togi qui est en colère. Moi je vais aller dormir, les gars, je pense. Vas-y, mais moi aussi, je vais pas tarder en vrai. J'ai mal au crâne là depuis ce soir, ça m'a. Moi je vais mettre un petit truc avec la copine. Vas-y, bonne nuit à vous, je serai là bah, demain. Je suis... Bonne nuit, John. Vas-y, bonne nuit les gars. Vas-y, vas-y, bonne nuit, les gars. Vas-y. On va les péter une. Y'a rien du tout, putain, y'a rien. Y'a rien du tout. Non. Bien. Désolé, merci. Ouais. On a PO Lamar, les gars. Je vais me faire PO. Putain. Allez, c'est pas ça. Je vais bien fouiller dans tes pages, j'ai pas réussi. Baki. Qu'est-ce qu'il a fait, Baki? Moi, j'ai rien fait, hein, moi. Si, t'as fait quelque chose, Baki. Bon, je suis joueur, les gars. Oui. T'as fait de la D. Juste coupe la radio, s'il vous plaît. En vrai, t'aurais fait ça, genre, t'aurais attendu qu'on parte. Mais c'est que le truc, nous on peut pas rentrer dans le stockage. Non, tu peux pas, mais il serait sorti lui. Oui, mais on s'en fout qu'il sorte. Moi je voulais taper la moitié de la livraison. Après de toute façon parce que là en plus dans tous les cas t'avais fait mauvais timing parce que du coup c'est nous on avait la livraison, tu vois. Donc t'aurais tapé son sale et là tu tapes notre business, tu vois. Là, ça aurait... Après il aurait payé, bah toi entre guillemets tu t'en bats les couilles. Bah non, parce qu'au final je vends pas mes affaires parce que je lui donne pas. Donc ça me fait une transaction en moins. Il y avait quoi dedans? Interdit. Si coupe la radio. Alors que si il m'a payé. Mais tu coupes la radio. Coupe la radio. Mais il t'avait payé? Oh, il est sourd. Comment ça la radio? Je suis pas sur radio. Mais si. Attends, grisement. Oui, mais t'avais pas payé? Attends. Si. Là, tu m'entends radio là? Oui. Ah bah si t'avais payé, bah les couilles, frère. Mais oui, je t'avais payé. Tu veux la radio? Bah, je sais pas. Là, vous m'entendez radio là? Pour ça, les gens. Ouais, du moment que t'as tes sous, frère, après c'est forcément. Coupe, hein, coupe la radio complète. Le truc il est. On n'avait pas tous les sous, je crois. Non plus. Quand vous êtes arrivé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pas tout d'autre. Si, mais on aurait dû faire. Bah, ils auraient dû faire comme ça. Mais y'avait quoi dedans? Ah non, il m'avait pas donné le reste. Ils ont. 152 mètres. Eux ils ont débloqué. Non, même pas, il y avait 300 de mètres. 200 de mètres, 200 de mètres. 3 pétoirs. Voilà, j'étais sûr. 15 faux papiers. Ils ont eu aussi un pétoir supplémentaire avec le Lomistère. Il y avait 300 de coke et 100 faux papiers. Voilà, on en était sûr. Faux papiers. Bon, je vais dormir. Mais t'as vu, s'il y avait une transaction, genre à 500 mètres, on aurait tout pris. Vraiment, gros, on aurait laissé la moitié, mais on aurait pris. Ah, gros. Un full bénéf là, hein, vraiment. De fou. Ah ouais. Mais ça aurait été une question. Ça aurait été, franchement, parce qu'en fait, t'aurais eu le bon timing. Franchement, je t'aurais laissé taper. Hein.
Mais c'est t'aurais eu le bon timing. Hein. Les gars. Ouais. Déjà, je sais pas, c'est qui a organisé la position là. Il s'énerve là. Au niveau d'un stockage, voilà quoi. Ouais. C'est pas propre. Bah ouais, il faut pas faire de. Mais après, c'est lui-même, c'est le gars hein, qui a envoyé. Non, il y a pas de c'est le gars. C'est toi et le gars, c'est tous les deux. Ah oui, mais j'ai capté, mais t'as capté. Ouais, j'ai capté, mais. Moi, je savais pas que c'était à son stockage. Moi, j'ai pas capté. Ouais, non, bah ouais. Tu vois. Moi, j'aurais dit non. Après, moi, j'ai suivi. Bah ouais, bah non. Et du coup, ouais, prochaine fois, de toute façon. Moi, je pensais que c'était une vraie pause. Moi, tu sais, je pensais que c'était où? Où ça? Quand j'ai vu la pause. Moi, je pensais que c'était vers où il y a le gros bateau, tout ça, là. Ah, t'as cru que c'était genre vers le Gros Fast? Bah oui, moi, je pensais que c'était. Ouais, non, à côté encore. Moi, je pensais que c'était là. Bah ouais. C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai dit c'est quoi cette pause de zinzin? Et quand j'ai vu qu'il y avait son stockage, je lui dis wesh. Ah ouais? Bah ouais. En mode Uber Eats. Bah ouais, mais faut vraiment éviter parce que. On m'a. Ouais, sinon, ça on va te casser sur les doigts. Ouais, ouais. Bah on l'a déjà. Toi aussi, on t'a attrapé? Tu t'es fait attraper? Bah on m'a cassé à moitié là. Ouais. Je me suis dit, KU. C'est ça. Quoi? Ah bah oui, mon gars. T'es fait pas KU? Nous aussi, hein. Nous aussi, t'inquiète pas. Hein. Nous aussi, on s'est braqué par la même AKU, t'inquiète pas. Ah bah voilà. Chemisette et tout. Fleur. Il nous a fait voyager. Fleur. Ah, je suis mort. Donc, vas-y, les gars. Ouais. Vous avez d'autres transacs à faire? Non. Ouais, je t'envoie les pauses, attends. Il veut se rattraper, Baki. Ce soir, il rentre pas pour nous. Réponds. Réponds aussi. Réponds vite, là. Ouais, boy. Moi, j'entends même pas ma propre sonorité. Ouais, ma mais t'es sourd. Hein, tu te fais vieux, Bitch. Bah ouais, je me fais vieux. Ça va ou quoi, AD? Non, lui, il va parler pendant une heure. Vas-y, les gars, moi, je vais aller dormir. Bonne nuit à vous. Vas-y, bisous. Attends, là, on vient. Vas-y, Baki, on s'attrape. Hein. Vas-y, force. Si. Là, papa. J'ai banni tout le monde. Vas-y, je vais pas. Bonne nuit, les gars. Je vais faire un check, mais ça veut pas. Bisous. Bisous. Ah, c'est horrible là. Non, on a failli l'avoir, hein, ce transat. Là, on aurait dû pétoir, hein, deux pétoirs, 100 mètres. C'est ça. On était trop bien. Tuki, attends-moi. Bah, attends, mais tu sais, rentre avec Tuki dans l'appart. Okay. C'est quoi ça? L'appart. Vas-y, viens. Si t'as une arme blanche, sors, hein, Medusa. J'ai rien. Pense à toi. Ah, bâtard. Attends. Medusa, viens. Je vais te passer les clés. Je te passe les clés, bouge pas. Je bouge pas. Viens. Mais tiens. Aïe. Il est où Bâtard. Rien du tout, tu l'ouvres. Tous les soirs on fait ça. Tous les soirs c'est ça. Bon les gars, je vais dormir dans les toilettes. Ta mère. Tous les soirs, c'est ça, mais Filou. Attends, Baki, attends. Viens, on parle. Ouais. C'était bordel, là. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Hein. Pareil. Non, mais sérieux, je te parle, sérieux. Je te parle sérieux, là. C'est vrai, c'était bordel. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, frère. Tu nous envoies une pause, c'est pas sur l'endroit. Tu nous dis la, ça veut dire quoi, la? La, ça veut pas dire il y a 4 mecs noirs devant une garage à l'angle, frère. Là, j'aurais compris. Ah, putain. C'est pas pour moi, ça y est trop, mais j'ai rien compris, moi aussi. Non, frère, faut être sérieux sur l'école comme ça, là, qui. J'ai fait Arrête de rigoler, putain. On passe pour des blaireaux, là, c'est pas bien. Vas-y, Tuki, moi je dors. Hein. Ah, les bâtards!
Non, The Fire, il fallait pas le. Non, je peux pas taper, mais non. Non, The Fire, il fallait pas, j'ai les trades. Comme ça, j'avais écouté le live, t'aurais pas dû, gros. Mais le winner. Merci beaucoup encore, mais. Thank you. Baki et Toki, message. T'inquiète pas, ça va aller. Mais gros, mais. En fait, c'est moi qui live trop. Tiens, c'est le dos. Ou c'est toi qui live pas beaucoup, on est 15. Fallait pas. Est-ce que Bagdad il est en live ou pas? Mon crunch. Comment allez-vous? Ça a été sur le live de Faya? Vous êtes venu voir du beau spectacle? Tiens! Non! Non! Ah, Dieu, je dors! Putain, j'ai les cuts! Attends, on peut raid qui? Y'a qui qu'on peut raid en vrai? Je regarde. Oh, j'ai mal. Non, c'est dommage. Attends, je vais voir. Je joue mon pain. Ah, j'ai trop mal, les gars. Sinon ce qu'on va faire, on va aller check sur Twitch. Tire pas. À travers la porte. Non. Non. Là je vais bien dormir. Là, ça va dormir, putain. Non, t'as rien vu, Philou, ah, t'as rien vu. Ah, c'est sale sa race, putain, bah qui tu déconnes. Oh. Attends, j'appelle le Clini là. Attends. Mais qui en stream? Ah. Ré et Louis. J'appelle sa Clini. Non. Il y en a un, il a mis son Twitch, mais il joue à Red Dead. On va le raid. Tout qui va prendre cher. Ah oui, tout qui va prendre très très cher. Hein. Oh, t'as une mouche. Attends, je te l'enlève. Attends. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Il est où, Toki? Attendez, me frappez pas, attendez. La victime. Wesh, lui il est passé. Il va baiser. Oui. Il a tout qui? Tu es qui? Non, j'ai rien fait. Sa mère change de perso. Quoi? T'es dis connerie sur connerie. Du coup, on va faire ça. Tac. Est-ce qu'on le raid ou pas? C'est un homme, on se regarde droit dans les yeux. Attends. Ouais. Vas-y, t'es un homme. Attends, on se tape à la loyale, Toki. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? On se tape à la loyale. Qu'est-ce qu'il y a? On se tape à la loyale, Toki. Oh. Non, mais. Voilà. Je vais sur mon P2, ça me saoule. Là, je me casse. Dormir, va pas dormir quand t'es inconscient. Ah oui, non, dors pas. Hein. Dors pas, toi. Ah bah oui, non. Dors pas, attends de te relever, là, tu dors. Attends. Parce que là, t'es pas assommé, t'es inconscient. Vas-y, Toki, moi je vais dormir. J'ai mal. Moi, c'est le pain. Bonne nuit. C'est vraiment la bonne cette fois-ci. À demain. Toki. Vas-y, bonne nuit. Attends, j'allais le frapper. Hop, du coup. Tu vois, comme petit combat là maintenant, comme ça. Il joue au RP? Il n'a pas un qui veut se la mettre là? Ah bah, vu l'état où je suis. Non. Vas-y, bah, on va le raid. Non, sans couteau, elle maintenant. À la loyale. Ah bah, comme nous, ils sont comme nous, hein. Mais écoute, c'est pas drôle non plus. Bah non, on voit pas la qualité d'un combattant. Tu vois? Les matons sont là. Dommage, vas-y, y'a pas de problème, Pio.
Red. Vas-y, quand Red, les gars, on dit tous bah, qui c'est le plus fort. Vas-y, Bamas. Putain, il est pieds fous. Ah, au drapeau, hein. Oui, mais il est pieds fous, vraiment. C'est dur, là. Vous avez besoin d'aide? Mais quoi, c'est à cause de la balle de tout à l'heure? Ah bon? Ah, oui. C'est... Il est les pieds, ils comprennent plus rien. Y'a que Toymoz Fire. Pas grave, au drapeau. Faites-nous le chat, tiens. De 5 il est passé à 19. Wesh Becky, ça dit quoi? Tant qu'ils peuvent rien vous faire. Wesh Becky, c'est un bon. Ouais, Becky c'est le plus fort. Il était une fois peut-être. Quand il voulait mettre 150k. Moi tranquille. J'ai été professeur de jeu de vie, j'avoue que c'est une classe, ça ressemble un peu à ça. Non mais vraiment, je comptais ouvrir un dispensaire pour... Putain, y'a du monde frère. Bienvenue à tous, hein. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, à la bille. Attends, je sais pas ce qu'il disait, attends. Bah ouais. C'est du coup, Bucky, j'ai life, ouais, tranquille. Ici, messieurs. Vous êtes les rois là, non? Y'a plus de groupe là. Non. Non. Ouais, c'est dingue, frère, les RP. Red Dead, c'est trop de la frappe. Ligne, s'il vous plaît. C'est vraiment trop de la frappe. En plus, on a un bon groupe, tu vois. On est les plus. On a un bon groupe et tout, bien RP, enfin tout clean, tu vois. Et du coup, on est sur LGW. Les uns derrière les autres. Puis après, on ira sur Outlaw, on va tester. J'espère que ça va être bien. Mais bon. Ah oui, on sait en faire plein des lignes. Bon. Non, baf, c'est tout. Qui est d'accord pour qu'on procède à une fouille générale? Attends, il y a Goldgot qui est au coton. Arrive. Pourquoi vous voulez nous fouiller? Mais je suis dans la merde, frère. Je suis dans la merde. Si vous fouillez, je suis dans la merde. Vas-y, les gars, mais moi je vais vous laisser sur son live. Pourquoi vous fouillez? Moi, j'ai pas envie. D'accord. Pourquoi il a peur? Pas peur de. Je vous dis bonne nuit, les gars. Et peut-être à demain. The Fire, s'il te plaît. Un jour, live, il perd longtemps. Et en fait, c'est que le truc, moi, j'ai pas trop d'heures pour ça. Je suis vas-y, The Fire, et bonne nuit à vous, les amis. Ciao.